pouvoir rien y faire. Ouais. Bon, allons-y alors. Ah, moi, si t'as des soucis, je les aurais grossi quand même. Ajuster. Ouais, on est en live, hein. Monte la luminosité. Sois gourmand. Je peux pas le monter plus. Vous aurez ça. Merci. Sélectionnez votre profil. Elle parle trop près de moi, je me sens oppressé. Ouais, mais qu'est-ce qu'elle est bien faite? Expérimentée. Je veux surtout de l'immersion, avec des commandes avancées, un défi plus corsé où les erreurs peuvent mener à la perte d'un personnage. Putain, on va en perdre, hein. Les QTE, c'est pas mon truc. Je veux surtout une histoire avec des commandes simplifiées, un défi plus abordable avec moins de chances de perdre un personnage. On va mettre expérimenté, ouais, hein, non? Je crois qu'on va mettre expérimenté et perdre tout le monde. Vous pouvez maintenant commencer des trois. Merci. N'oubliez pas, ce n'est pas qu'une simple histoire. Oh. Ceci est notre avenir. Hein? Je suis en plein bad. Oh, elle m'est mal à l'aise comme un mec de... qui fait du RP dans un escape game. Laisse-moi tranquille, laisse-moi jouer. Il y a beaucoup d'étages. Wow! Wow! Ouais, mais les tricks! C'est un cyborg? Ouais, c'est un cyborg. Ça. C'est clairement un cyborg. Ouais, tu sais faire ça avec une pièce, mais t'as pas de copine. T'as pas de sentiment. Le négociateur vient d'arriver. Je répète, le négociateur vient d'arriver. Oh. Oh. Hey, alors, qu'est-ce que tu dis de ça? Alors t'as des indices un peu partout, hein. Je en fait, en tu vas mettre des enquêtes. Vous devez sauver ma petite fille. Alors, je vais sauver ta petite fille, mais d'abord tu vas fermer ta gueule. Alors, audio. Voilà. Ça fait plaisir. Vidéo. Super. Oh, tout en ultra. Limite de FPS. Putain de console de merde. Voilà. On est ok. Ah oh oui, les 60 FPS là, ça régale! Vous avez envoyé un androïde? Venez madame, vous ne pouvez pas rester là. Vous ne pouvez pas faire ça! C'est juste un. Vous un cas de racisme tout simple en fait. Banalisé hein. C'est. Attends, regarde, y a des trucs en fait. C'est des objets, trucs comme ça, tu vois. Voilà, non, mais à gauche par exemple, j'ai vu un truc. Attendez. Là-bas là? Je sais pas, il y avait une interaction. Ah, tu vois, il y a une interaction au sol. Tu veux que je sente leurs chaussures? Non mais t'es un connard. Je t'ai dit genre en fait faut analyser les scènes, comprendre ce qui s'est passé. Là tu vois regarde. Ah mais joue à la manette hein, ça sera mieux. Ouais. Gouramine. Oh non ça, ça vient du Gange. Ça vient ne du Gange. Je le touche. Je pas. Le prends. Non vas-y ça... Oh merde. Mais ça vient du Gange Damien. En plus je peux plus. LB. Donc là, tu sais pas, regarde par exemple, on voit qu'il y a un aquarium pété. Ouais, bah là, le poisson est donc tombé. Si regarde, si j'en conclue. Un pack de balles dans l'aquarium. Ouais. Attends, ouais, c'est vrai ça. Regarde à droite, tu vois, dans le verre. Ouais, je vois des balles, puis je les vois aussi dans le mur. Bah alors là, si ça c'est pas quelqu'un qui a tiré, je ne suis pas un détective. C'est quoi? Vas-y, joue. Trouvez le commandant Allen. Ah! Ouais, faites votre boulot là, ouais, je suis pas venu pour ces conneries. Commandant Allen, j'ai trouvé la solution. Un poisson rouge a été victime d'une balle dans un aquarium. Commandant Allen, je m'appelle Connor. Je m'appelle Donald Regno. Ah oui, encore! Cet il y a que deux doubleurs en France. Il a déjà descendu 2 de mégas. Et un poisson rouge. On pourrait facilement le descendre, mais ils sont sur le rebord de la terrasse. S'il tombe. Elle tombe aussi. Connaissez-vous son nom? J'en ai aucune idée. Ça change quelque chose? J'ai besoin d'informations pour déterminer la meilleure approche. Il est pas très coopératif. Choc émotionnel. S'il s'est déjà comporté étrangement auparavant. Écoute, la priorité c'est de sauver cette gamine. Alors occupe-toi de ce putain d'androïde, ou c'est moi qui m'en occupe. Humain de merde. Tu vois, t'as une probabilité de réussite, donc ça je te dis, genre, analyse. Non mais surveille. Arrête de mettre la pression, je m'en bats les couilles moi, je vais réussir de toute façon. Bah t'as 48% de taux de réussite là. M'en branle, je viens d'arriver, je sais pas jouer.
Tu vois là, il y avait un pistolet par exemple. Mais c'est un Black Hawk. Ah, 17 balles. Donc il en reste 16. Ah, ça c'est intéressant ça. Ah. Laissez-moi partir. Laissez-moi. T'as pas... Regarde, indice d'analysé, 1 sur 2, il en faut un deuxième. Reconstitué. Attends, je regarde, il y a plein de choses sur le HUD là. LT, RT pour examiner. Mais il m'engueule. J'ai arrêté dans cette zone. Ouais, donc il y a un mec qui est venu chercher là, ça marche. Mais c'est pas une mallette à code. Il a tout fait tomber, c'est un amateur. Ok, on a affaire à un amateur. Mais surtout que c'est hyper dangereux. Il a une gamine et il a une mallette avec un flingue sans code. Hop là, genre, probabilité de l'ouvrir. Toujours un truc sur la table de chevet. Une touche qui scanne l'environnement pour savoir s'il y a des objets à, si, à regarder. Je ne sais plus laquelle c'est. Merde. Oh là. Attends, j'avais une touche qui faisait ça. Ça se trouve c'est pas ça, je me souviens plus trop du jeu. Bah j'en avais une mais... Là toutes mes touches ne font pas ça donc... Oh. Con. J'aimerais lire. Oh putain. Attends mais on est d'accord, on n'arrivait pas à lire. Non, j'avais beau me tourner, fouiller la chambre de l'otage. On y est. Ce qui me fait rire c'est que là il y a une prise d'otage. Genre tout le monde est sur les nerfs et toi t'es en train de fouiller tranquillement. Alors... Attends, mon iPad. Yes. On va regarder des dessins animés. Ah. Extrêmement effrayant. C'est bizarre, mais j'ai trouvé ça un peu malsain qu'il y ait un androïde adulte qui soit. Moi aussi. Avec une petite fille. Moi aussi. Alors que c'est un androïde, je devrais pas trouver ça malsain. Ça va pas du tout. Qu'est-ce qu'elle écoutait ? Evanescence, bah vas-y, laisse-la se faire tuer. C'est de la merde. L'enfant n'a pas entendu les coups de feu. Ah, sacré les casque. Jeunes, là, avec vos AirPods. Sacré casque isolateur. Chambre de otage fouillée. Ok, elle a porté des coups de feu, là, un androïde qui s'appelle Daniel. Les gars, je suis prêt. J'ai 51% de chance de réussite, j'y vais. Ah, oh là. C'est le daron. Ah ouais, ça c'est pas Daniel ça. Damn Daniel. Damn John Phillips. 19h29. Damn it. Belle bête, 1m82, il aurait quand même pu s'en sortir normalement. Hémorragie du poumon. Par balle de calibre 9 mm, comme les balles qu'on a trouvées tout à l'heure. Les gars, j'ai tout compris. C'est genre waouh waouh. Je sais. Encore du 9 mm. Le même flingue a été utilisé pour les deux blessures. Deux balles ont été tirées sur la victime. Et il y a même un quatrième indice. Imagine, tout ça c'est pour maquiller le meurtre du poisson rouge. Genre, il... pour brouiller des pistes, il a tué le mec. L'important, c'était le poisson rouge. Qu'est-ce qu'il y a là? Bah, vers le bas de son corps, y'a pas un truc? Bah, j'aimerais bien aller plus loin, mais regarde, ça fait un. Ah, d'accord. Doit y avoir un autre truc? La bouche. La bouche? Le nez? Non. Les yeux? Bah, non, on l'a fait les yeux. Le bras? Le bras, j'ai essayé de descendre jusqu'à sa main, mais ça ne veut pas. Bah, il est où le dernier? Ah, en haut à gauche? Attends, mais oui, en fait, il y en a juste un auquel. Ah non, c'est lui. Ah, reconstitué, vas-y. 3 blessures. Merde. J'appuie sur X. Voilà. Donc, je pense qu'il était debout et qu'il s'est fait non, tirer je pense dessus. Moi qu'il était non, assis. Il était plutôt assis. Après, il s'est fait tirer dessus et il est tombé du coup. Oh, il tenait quelque chose. Comment il a su ça? C'est un malade. Oh, je sais, j'ai compris le scénario. Le père, il était. Il tenait un. Il était sur Google en train de dire comment revendre son Android. Et l'Android a vu ce qu'il regardait. Et là, il a fait: Daniel, ce n'est pas ce que tu crois. Et Daniel, il a fait: si. Voilà. Wow. Et là, il est mort. Ah, la fameuse tablette. On check la tablette, je pense que c'est ça. Vente d'Android. On va avoir une page Amazon, tu vas voir.
Ah, c'était presque ça. Le traître de merde. Oh non. Mais moi, je suis un androïde. Je suis content qu'il ait fait ça. C'est bien. C'est bien, Daniel. Attention. Tous à couvert. Daniel, stop. Comment... Daniel, je sais ce qu'il a fait. Je sais que c'est dur. C'est de la weed. De la giga weed. Sur des monoplans. Oh, je suis un robot. J'ai pas peur de mourir. Non, par contre, ça fait un peu flipper là. Les gars, protégez-moi. C'est un peu. Oh, t'as vu, t'as poussé la chaise en mode. Ouais, c'était très classe. Ah, ouais, c'est exceptionnel quand même. En fait, je pense que c'est comme dans iRobot. Ouais. Que les androïdes se sont jamais rebellés. Et du coup, là, c'est un peu de ouf. Oh là là. Bon, j'ai un peu regardé la télé, les gars, mais je pense que je vais pas tarder à aller sauver la fillette. Ok, mais d'abord, je vais sauver ses pattes. Parce que là. Des farfales. La famille, elle est... Et où est la mère? Attends. Il faisait des pattes, mais il faisait pas de la sauce avec. Qu'est-ce que c'est que cette situation là? Je ne comprends plus là. Mes chances de réussite baissent à vue de nez là. Est-ce que quelqu'un a vu de la sauce? Bon, j'y vais. En soi, Ah! Oh, full dead. Eh, attendez, si c'est du 9mm, je suis un génie. Oh putain, c'est Daniel. C'est Daniel qui l'a tué. C'est Daniel, hein. Il y a pas de c'est Daniel. Possible. Et il s'appelait Franck. Close. Anthony Descartes. Par contre, en vrai, c'était peut-être un père de famille. 20h03. Il a été tué à 19h29. Il a mis 33 minutes à arriver. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce que tu as fait pendant 33 minutes? Un sandwich, peut-être. Qu'est-ce qui... C'est trop long. Résidu de c'est poudre. Lui qui avait la sauce. Attends, ça veut dire quoi s'il a du résidu de poudre? Bah il a tiré, il a tiré mais il a raté. Bien fait pour lui, là. Il a raté. Reconstitue la scène, on va voir ce qu'il a fait ce fumier. Alors, donc là t'es là, tu enlèves ton chapeau. Le mec a pas compris que c'était un... Donc là tu vas retirer ton chapeau. Ok, donc là t'arrives et tu te dis ouais, je vais faire mon job, putain je suis trop chaud, je fais des pas latéraux. Paf dans ta mère. Ok. J'ai tout compris, c'est un mot. Ah mais non, mais t'arrêtes, t'as oublié de reconstituer les... Ah bon? Ouais, bah tu sais, t'as les parcelles jaunes en bas. Ah merde, mais je peux retourner, j'ai pas vu. C'est le truc que tu faisais avant. Attends, genre, dans la reconstitution? Ouais, tu vois, t'as les parcelles jaunes, et quand t'arrives à la parcelle jaune, voilà, tu maintiens RT. Non, parce que... ça c'est... Bah c'est quoi le truc jaune alors? C'est juste les moments clés. Regarde, éléments analysés 0 sur 2. Et il y a deux trucs jaunes. Attends, faut analyser. Donc il doit y avoir un truc. Ah, faut trouver les trucs. Oh, l'otage a... Oh mais j'ai loupé des infos. L'otage a assisté à la fusillade. Dommage. Ok, donc attends, qui a tiré le premier au final? Le policier a tiré sur le déviant. Ok, mais... Oh l'enfoiré. Ok, t'as un nouvel indice maintenant sur le premier truc. Mais par contre... Ah non, faut que tu refasses. Attends, c'était pas bon là? Bah non, t'en avais un nouveau du coup. Il y en a, oh mais je l'emmerde! Ouais, maintenant c'était sur 3 sur 3. Ah, je suis con, putain. Moi je veux juste savoir si c'est le déviant qui a tiré en premier ou si c'est le flic. Ah, c'est lui qui a tiré en premier. C'est le déviant, donc, non? Il y a donc là le premier qui est apparu. Ok, j'ai compris. Le policier a tiré en premier? Smart, attends. Personne l'avait vu dans la pièce. Trop fort. Là c'est bon, j'ai fini. Je vous lis pas le chat, hein. Vous n'avez aucun respect. Vous n'existez pas. Comprendre ce qui s'est passé, c'est fait. Par contre, le mec là-bas, je suis pas sûr qu'on... Quoi? Oh. C'est du sang de déviant, mais de gros ah dégueulasse. Ah mais gros dégueulasse de merde! Sans bleu frais. PL60 est donc doté de sentiments. Le four, qu'est-ce que vous voulez, putain? Ah, il y avait peut-être la sauce dans le oui, four. Oui, il y a une sauce au four. Putain, vous êtes très utile, hein, putain. Regardez. Oh, le four est vide. Excellent, putain. Bande de singes. L'arme, ah oui, l'arme.
Et elle va nous apprendre quoi l'arme? Bon, je la prends. Hop. Ah oui, bah oui, prends ça, la c'est avec pour toi. Moi. Attends. Ah. Pourquoi je l'ai prise? Ben. C'est très. C'est mal. C'est mal. Y a un bouquin sur. Sur le comptoir derrière toi. Putain, mais je reste en plein milieu. Je reste en plein milieu, genre, y'a pas de problème quoi. Bon bah écoute, tes chances de réussite ne sont pas. Bah elles sont incroyables, super mais... grandes. Voilà, je maîtrise la situation. Oh! Fais pas un pas de plus ou je saute! Je ne ressens pas la douleur, Daniel. Je suis un PL800. Putain, il est chaud, putain, il se tient vraiment Bonsoir Daniel. Comment? Je m'appelle Connor. Comment tu connais mon nom? Je sais beaucoup de choses sur toi. Je viens de sortir de ce mauvais pas. Eh, hey, oh, oh, oh. C'est pas de mon fait. Vas-y, lui. C'est pas de mon fait ça, je l'emmerde. Je sais que tu es en colère, Daniel. Mais tu dois me faire confiance. Je suis là pour t'aider. Je veux pas de ton aide. Personne ne peut m'aider. Je voudrais juste que tout s'arrête. Je veux juste que tout s'arrête. Est-ce que t'es armé? Oh là. Oh là. Hop. Non. Bonne chance. Je n'ai pas d'arme. Tu mens. Non, je suis un PL600 et je détecte les armes. Elle va mourir. Yes. Je te dis la vérité, Daniel. Je suis venu sans armes. Ah, ça, c'est vrai, non, c'est mort, je pense que c'est mort. Hein. Oui, ça c'est vrai, mais. Emma et toi, les sentiments, tu l'adores. Emma et toi étiez très proches. Tu vas pas lui faire ça, tu l'adores. Tu penses qu'elle t'a trahi, mais elle n'a rien fait de mal. Elle m'a menti. Je croyais qu'elle m'aimait. Oui, mais elle a 7 ans, hein. Enfin, attention. Mais j'avais tort. Fais comme les négociateurs, apprends-toi le mieux. Elle est comme les autres humains. Daniel, non. Super, elle est vraiment pas négociatrice. Hein. Cause positive, vas-y. Ouais. Déjà, oui. Il voulait te remplacer par un autre androïde et ça t'a contrarié. C'est bien ce qui s'est passé. Je pensais faire partie de la famille. Je croyais que je comptais. Mais j'étais que leur souhait. Excusez-moi, c'est pas évident qu'il faut avancer, hein. Il va tirer sur la gamine et avancer, oui, c'est pas évident non plus. Hein. Il n'y a pas d'issue, Daniel. Ce que tu as fait est trop grave. La seule question est de savoir si tu vas faire une autre victime innocente. Ce n'est pas ton choix! La balle est dans mon camp! Si je meurs, elle meurt aussi! C'est un malade! C'est du bluff! Tu m'entends? C'est du bluff! Bah, aucun je pense pas, problème. Il a quand même tué le daron des flics! Et bon. Aucun problème, c'est du bluff! Je peux plus supporter ce bruit! Fais dégager cet hélicoptère, maintenant! Bon, bien sûr! Bah, accepte, hein! Bien sûr! J'ai cru que t'avais refusé parce que c'était en rouge. Ouais. Ah mais je regarde bien ma manette à chaque fois. Voilà. Ah, tu as demandé. 91%, c'est beaucoup. Évidemment que c'est beaucoup, mais je gère la situation, hein. Tout le monde panique là. Tu dois me faire confiance, Daniel. T'as poussé libère avec le pied tranquillement. Ça fait, ça donne pas du tout confiance. Tout se passera bien. Je veux que tout le monde s'en aille. Et je veux une voiture. Quand j'aurai quitté la ville, je la laisserai partir. Et je veux me marier avec la petite. Ouais, bah super. Ta mère. Ce n'est pas possible, Daniel. Libère la fille, et je te promets qu'on ne te fera pas de mal. Oh. Je veux pas mourir. Je suis vraiment le boss. Alors, moi, dans ma version, le mec, il est mort. Hein. Tu ne vas pas mourir, nous allons simplement discuter. Oh. Il ne va rien t'arriver, tu as ma parole. Ouais, il est mort. Ok. Je te fais confiance. Putain, on est quasiment amoureux à ce niveau-là, c'est bon. Connard, j'avais fini. Ah, il gâche tout. Il gâche tout. Mort. Vous êtes des nuls. Des nuls. Oh non. Sauf que c'est des gros bâtards, parce que le mec, finalement, il s'était rendu, quoi. Mais oui. Tu m'as menti. Oh, j'allais dire tu m'as menti, excellent. Très fort. Non, moi j'ai rien dit. Oh, il va me hanter.
il va revenir dans un autre corps d'androïde. Il s'est foutu dans le cloud là. Ouais, il s'est foutu dans une clé USB, il est dans le cloud. Ouais, mission accomplie. Il s'en fout de la gamine. J'ai fini. Putain, donc mes choix ont fait qu'il s'est pris une balle quoi. Bah, n'importe quoi. Peut-être que dans toutes les versions il meurt en fait. Je pense qu'il meurt mais pas de la même manière quoi. Ouais, regarde en fait là c'est intéressant. Enfin, on s'en fout, c'est juste que ça te montre les différentes possibilités qui auraient pu t'amener à une fin différente et à un scénario différent. Genre, tu vois le nombre de scénarios différents qu'il aurait pu y avoir. Et tu regardes tous les choix que t'as fait. Et ça, je peux te dire que là, il s'est passé un tout petit truc, mais quand il y a des chapitres, l'arbre, il est gigantesque. Et en fait, voilà, faut fouiller des trucs parce que tu vas débloquer des dialogues et des possibilités différentes. Tout ce que je vois, c'est que j'ai géré ça comme un maître. Mais bon, j'avais la même fin. Hein. Ouais. C'est un assistant ménager haut de gamme. Il connaît 10 000 recettes différentes. Allez Zoé, on y va. 200 langues et dialectes. Ouais, bon, faut... Et vérifie les devoirs des enfants de l'école primaire jusqu'aux études supérieures. Hey. Wow. Hey, je suis mieux. Mon cœur, regarde-moi ça, c'est exact. Tu peux rien dire en plus. T'es dans une boîte. En ce moment, nous faisons une promotion spéciale. On dirait pas Footlocker. La gamme. Je peux vous présenter. Ils sont un peu lourds, que... ouais. Règlement. Ils sont lourds comme un Footlocker. Je peux vous aider, vous cherchez quelque chose. Tu cherches quelque chose là? Peinture, plomberie, jardinage, réparation. La nuit. On dirait un Footlocker 6 blanc de merde. Combien coûte celui-là? Le prix du MP 800 est un. Ah mais les vendeurs sont c'est les mêmes, d'accord. Ah bah je peux vous le montrer par ici. Ah oui, c'est vrai qu'ils sont très similaires. J'aime pas trop sa tête. J'aime pas trop sa tête, ah bah dis donc. Et voilà. Ça n'a pas été facile de la remettre en état de marche. Elle était vraiment amochée. Vous dites qu'il lui est arrivé quoi déjà? Une voiture l'a renversée. Un accident stupide. Ah, je vois. Enfin bref. Vous n'êtes pas crédible pour un sou, mon vieux. Sauf qu'on a dû la gros dégueulasse. En gros, on lui a effacé la mémoire. J'espère que ça vous va. Elle se souvient de rien, vous dites? Ah, très bien. Vous m'avez donné un nom? Ouais, j'en vois, tu m'avais le pick-up là, j'allais chercher. AX400, enregistre ton nom. Salut, chérie. Cara. On va t'appeler Cara. Je m'appelle Cara. Vous pouvez les grossir les trucs là. Elle est revenue avec des cocards. Vous dites qu'elle est avec quoi? Oh, accident de voiture. Elle avait le trou de balle en feu. Ouais, un terrible accident. En vrai, et graffir des Français, hein, parce que je me doutais que c'était un truc d'origine française, mais je pensais pas que c'était des Français principalement qui s'occupaient du truc. Bah, Guillaume de la Fourmière, là, Guillaume de Faudrière, il a géré, hein. Il est bon. J'ai mon parsec qui lag, mais de dingue. Ah ouais? Mais là, j'ai ma connexion qui est rouge, là. Ah ouais, c'est atroce, là. L'enregistrement est safe, mais c'est pas bon du tout. Je prends cher au niveau de ce que tu m'envoies. Putain, le problème c'est que je peux pas faire pause là. Mais je drop complètement. Ah ouais, c'est ton internet qui bug. C'est quoi ce bordel? Ah si là. Ah c'est bon, je peux faire pause. Putain, on est dans le mal. C'est à cause de quoi? Je sais pas, c'est full rouge. Bah, ce qui est bizarre, c'est que ça t'a pas fait crash. What? Oh là! Qu'est-ce que tu fais? Je sais pas, j'en vois beaucoup trop de kilobits. J'en vois une quantité astronomique de kilobits là.
Là, ça va. Bon, là, ça va. C'est bon? Ouais. On verra. Putain, j'étais en train de chialer, là. Ils ont coupé mon... Ta scène. Putain, mais pourquoi ça s'affiche pas? Mais c'est de la merde! Rien ne marche! Merde! Vous avez loupé une scène où il y avait un clochard et il a dit qu'il a perdu son emploi à cause d'un androïde. Rien que ça. Ouais, ah ouais! Bah l'automatisation dans les usines. Mec, il veut manifester, il l'automate. Avec son mégaphone devant l'Elysée, l'automate. Moi, je suis pour les androïdes pour l'instant. J'espère qu'on va gagner. Lui, c'est un acteur plutôt sexy dans la vraie vie. Oui, Rose. Oui, ça devrait suffire pour aujourd'hui. Se rendre à la boutique Bellini. Attendez que Oh, qu'est-ce que cette revue là? Tech Addict. Sucre les androïdes. Tech News and Test. Tiens. Comment ça m'arrive qu'on soit ces androïdes pour qu'ils coexistent avec les humains? Les MMORPG en VR atteignent la barre du milliard d'utilisateurs. Quel monde de merde! La VR n'aura pas d'application comme ça. Putain. Ouais. J'essaye. Ouais, je vais vous rendre votre bouquin. Ah ouais, il est parti sans. Salut. Bon. C'est bien fait. Ça paraît vivant. J'aime pas le bloom. Le bloom, ça me perturbe. Le bloom par contre est dégueu et tu peux l'enlever. Hein, ouais, il est vraiment très poussé le bloom. Il est trop présent. Ouais. Me dérange. Ah, il est encore là. C'est marrant ça. Non, c'est un peu mieux mais... Un peu mieux mais il y en a toujours. Hein. Attendre que le feu... Ah wow, ça va. Putain j'ai des règles. J'ai des vraies règles. Utiliser le GPS. Excellent. À la boutique Bellini, c'est ça? Let's go. Ouais, tous les. Oh, t'as vu ça? Ce qui s'est passé en face de tes yeux? Madame! L'incivilité parce que c'est un androïde qui ramasse? Non, mais là, il va y avoir une révolution. Hein. Moi, je le sais. Hein. Ça marche. Non, mais ça commence de là et puis on va se mettre en marche, hein, les androïdes là. Voilà, regarde-moi ça! Sale pute! Eh, toi! Eh, bientôt! Toi! Arrête de la protéger! Bientôt on se rebelle, frère! Frère, écoute-moi! Ouais. Les machines nous observent tous. Elles attendent dans les ténèbres. Et le moment venu, elles nous remplacent. Il est candidat à la mairie de Paris. Amen! C'est ici? Ouais. Oh, quoi? Récupérer le paquet, ok. Je crois que j'avais loupé un truc. C'est beau. Mais c'est de la poudre, de peinture. Identification vérifiée. Leur interaction entre deux androïdes doit être trop nulle. Voici votre commande numéro 847. Ça fera 63,99$. Merci de confirmer. Ah ouais, vraiment le strict nécessaire. Paiement confirmé. Transaction effectuée. Bah c'était bien. Ça te dirait qu'on fasse une révolution? P
Paiement confirmé. Super. Il y en a, ils sont beaucoup plus dociles que d'autres, hein, merde. Lui, il est matrixé, hein, salut. Tu vas pas m'être d'une grande aide. Bon, donc là, je vais ramener cette boîte à mon maître, c'est ça ? Va des clochards. Ça manque d'humanité. Ah, non, je suis un androïde, j'ai aucun... Il m'intéresse même pas. Prendre le bus pour rentrer. C'est parti. Mais comment on se base l'économie si tous les métiers ont été remplacés par des androïdes ? C'est autosuffisant, bah... du coup ? Peut-être des métiers qui n'ont pas été remplacés par les androïdes. D'accord, mais il y a un gros problème. S'il reste plus que 5% de métiers faits par des humains... Ah, c'est un arrêt de bus pour chargement. Qui c'est qui... Putain d'humains qui manifestent là... Les androïdes nous volent nos emplois. Ah oui, bah... Nous c'est ce qu'on disait. En voilà un, les gars. Sans déconner. Hé, hey, tout le monde, regardez ça, on a un tas de ferraille par ici. Regardez-moi ce petit fils de pute. Tu vois, dis donc. Taf, mais tu peux même pas tenir debout. Toujours debout. Ah, j'ai rien senti. On peut le refaire. J'essaie de te dire que c'est pas un androïde et mais que c'est un immigré. Mais non, c'est terrible. Tu vois, c'est terrible après. Ouais, démonte-le. Vas-y. Ok. Ça suffit. Laissez-le tranquille. On lui donne une leçon à ce fumier. Si vous l'abîmez, vous aurez une contravention. Ça donne envie de s'énerver, hein? C'est votre boulot qu'ils prendront ensuite. On verra si ça vous plaît. Ok. Allez, circulez. J'aurais dû lui lâcher une putain de punchline, genre... transaction confirmée ou un truc comme ça. Il aurait moins fait le malin. Ouais, non, attendez! Putain, le timing. Oh non! Ouh, j'ai des douces vibrations. Super, tout le monde est bien poli. Ah, c'est pas le bus du 20ème arrondissement, hein. Ah là, y'a pas d'incivilité là. Regardez-moi ça. Je rentre, je valide. Zou. Oh, la ségrégation. Oh non, oh non. Oh non, les heures les plus sombres de notre histoire. Mais où est la Rosa Parks bionique ? Ah non, mais alors là, il faut qu'on se soulève là. Pourquoi pas dans le coffre ? Putain. Je suis trop fort, j'ai fini par prendre le bus. En fait, la seule finalité c'était Marcus a pris le bus. Putain, j'aurais pu vraiment faire le strict nécessaire, ça va, j'ai pas fait les quelques trucs. Par contre, tu vois, regarde le prédicateur, on aurait pu avoir une finalité. Mais bon. Ouais. Oh non, les quartiers. Bah, les on peut pauvres. Soit rusher le jeu, soit si. J'arrive pas à trouver de bon. Bah, approfondir quoi! Ouais, voilà! Oh, j'ai été acheté par un putain de gueux! Ouais, c'est vraiment. Tu sais, il sent la chips et la bière! Donc, tu vas me dire que toi t'avais 8000 balles? Oh putain! Il vend du pote! Du pote! Qui veut du pote? Oh, il habite dans les ghettos. Ah, ça donne pas envie, hein. Eh, toutes les portes aux États-Unis elles sont comme ça, j'aimerais bien comprendre. Elles ont les trois carreaux en diagonale comme ça. Bah, c'est selon la taille de l'invité. Tu peux voir. Ah, tu vois, toi tu prends celui du milieu, moi je prends celui du bas. Et Hugo il prend celui qui est tout en haut. Voilà, c'est bien. Sympa. Alice ! Alice ! Ah, te voilà. Voilà, Alice, tu dois t'occuper d'elle.
Les devoirs, le bain, tout le bordel. Pigé ? Oui, Todd. Tu commences en bas, après tu vas à l'étage. Bah, ouais, bah t'es ni plus ni moins qu'une bonne à tout faire. Hein. Ouais, bonne ambiance, moi je... Allez, on va commencer les tâches Allez, ménagères. Tâche urgente. Quoi ? Ramasser les déchets. Tâche optionnelle, ramasser la vaisselle, allumer l'aspirateur, respecter le jardin. Mais on va tout faire, écoute. Ouais, comme ça, que ce soit clean. Il nous aura à la bonne. La vaisselle. Vu comment il est, crois bien qu'il faut qu'il nous ait à la bonne. Hein. Ah. Allumer télé. Non mais il va mourir de toute façon. D'abord, mais pas d'abord maintenant. On va chercher les assiettes sales. Pour les rajouter à la vaisselle. Putain mais il y en a déjà pas mal hein. Mais passe devant le vide. Attends, vas-y. Alors Todd. Il va dire, hey, t'es pas transparente, connasse. Attends. Oh, là il y a un moment d'action. Oh, il dit rien. Attends. Mais dégage de là. Ah voilà. Désolé Todd, ça ne se reproduira pas. La prochaine fois je rentre. C'est quoi, repasse devant pour voir ce qu'il fait. Ça va être un game over. Oh, oh, c'est interdit. Oh, j'ai rajouté une règle. Wow. Ah oui, je me souviens que le jeu est super bien fait en fait. Ça, pour symboliser les ordres qu'on te donne ou tes possibilités en fait, ça te met des barrières en fait. Ouais, non mais c'est malin, c'est comme le feu rouge tout à l'heure, j'étais bloqué par une règle du robot. Très malin. Très malin. En vrai, le jeu est incroyable. Ah, j'avoue, c'est lourd. Putain, on va pas les faire tomber. Ouais. Fais bien du bruit avec la vaisselle là. Peut-être faire tomber une petite. Oh, y'a un lave-vaisselle, mais c'est bon. Mais... Attends, mais c'est une le blague. Le lave-vaisselle ne fonctionne dans pas. La vaisselle. Je vais réparer le lave-vaisselle. Attends, elle prend elle-même. Wouah! Parce qu'il a peut-être pas l'argent pour. Putain, avoir Amazon dans la tête. Quel bordel. Ouais, mais attends, elle a pris elle-même le choix de commander un truc avec l'argent du gars. Ouais, j'avoue, d'où vient l'argent là? Oh putain, je vais. Je vais te bien nettoyer. Putain, elle est propre, elle est propre. Allez, la encore suivante, la suivante. Vas-y, vas-y, vas-y là. Je suis prêt à récurer là. Qu'est-ce qu'elle veut là? Attends, je rêve ou je viens de payer ma relation avec Alice parce que je fais la vaisselle. Ouah, elle fait la vaisselle, je l'adore. Ouah. T'as failli louper, hein. On était sûr d'avoir une tâche. Cara, oui, Todd. File-moi une bière fraîche. Tout de suite. Tout de suite, Todd, enculé de ta mère. Crache dedans. Ah non, t'as pas de salive, t'es un androïde. Merde, je peux me couper les veines. Prends dedans. Une bière, mais qui est pas fraîche. Vraiment le putain le terrorisme quoi. Voilà Todd. Pas merci, d'accord Todd. Mais c'est un truc de ouf parce que même moi si j'avais un Android je dirais merci. Allumer l'aspirateur, inspecter le jardin. Alors le jardin. Oh aïe aïe. Dégueu le jardin. On dirait le non, jardin non, qu'il y a non. Dans la guerre des mondes avec Tom Cruise. Oh, ça vit dans un endroit bien nul. Bah, ça fait plaisir pour tous ceux qui vivent dans les ghettos. Ouais. Bien nul. Ramasser le linge. Bah, vas-y. Attends, je vais prendre le bac d'abord. C'est pas con. J'aime bien ces interactions. Je sais que tu détestes les QTE quand ils sont pas utiles. Non. Le jeu Quantic Dream. Écoute, ce matin j'ai fait la vaisselle chez moi et ce soir je la fais dans un jeu vidéo. Je trouve ça, je trouve ça intéressant. Refaire la lessive. Hey. T'en parles bien un petit peu quand même. Elle est venue te voir exprès. Alors, il te tape. Ton papa. Moi aussi, il m'a tapé. On va jouer. Elle va vraiment me kiffer. De jouer ? Non, car je vis sous un pont et mon père t'a frappé. Yes. Jardin. Il est très beau ton jardin. Tu aimes jouer dans le jardin ? Ton père te frappe dans ce jardin aussi ? Elle parle pas, mais elle me kiffe. Hein. En fait, quand elle part, c'est vraiment qu'elle m'aime bien. Quand elle répond pas et qu'elle part, c'est. C'est qu'elle t'adore. Hein. Elle m'apprécie vraiment quoi.
Tu vois, si elle commence à te parler, vraiment inquiète-toi. Alors, hop, elle va fermer la porte dans ma gueule. Voilà, ça c'est qu'elle m'apprécie vraiment quoi. C'est... Il y a un truc qui se passe là. Là, on a établi une relation là. Hop. Et pour commencer cette grande révolution, on va même pas mettre. Ah bah, tu vois, regarde, moi j'ai fait une machine tout à l'heure. Et bah voilà, ouais. Ça me rappelle mon petit quotidien. Voilà. Mais hop, hop, hop. Bah, de la lessive, d'accord. Mais pas d'adoucissant, Todd. Voilà. On milite, nous. Hein? Ah, mais qu'est-ce que c'est que ça? La drogue du futur. Red Ice. Il l'a caché dans la lessive. La Red Ice, c'est vraiment nom de la drogue, quoi. Tu devrais pas fouiller dans mes affaires. Mais c'est dans la lessive, du con! De m'énerver. Ah bah, Ne mets pas ton nez dans mes affaires. Je vais exploser parce qu'il m'a dit de pas chercher dans la lessive et de faire la lessive en même temps. Du coup, je vais exploser. Ça crée un paradoxe. Je dois faire la lessive, mais je ne peux pas faire la lessive. Autodestruction activée. Super, on y est presque. Allumez l'aspirateur, tout de suite. Oh, la poubelle. Et ça, tu vois, ça c'était même pas optionnel, mais on va le faire. Ah si, ramasser les déchets. Oh. Super. Putain, mais ce gameplay... Ah, mais là, je suis parti pour un 100%. Hop, hop, hop. En vrai, fais-le. Il faut pas qu'il ait de reproches à te faire. Non, non, on verra si c'est un connard. On va voir si tout est nickel, s'il me frappe quand même. Je pense que oui. Honnêtement, je pense que oui. Nettoyer la table basse. Va falloir être très prudent là-dessus. Très prudent. Ouais. Oh, aïe 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 aïe. Alors, attention, tu passes devant, attention à la main. Là, Peut-être le faire en rampant. C'est le genre de fils de pute. Non, parce que carton de pizza là. Tu le laisses. Pourquoi? Parce que. Oh, cette manière de tenir la poubelle. Quelle grâce. Ouais, incroyable. Moi j'ai pas assez de force pour tendre mes bras comme ça hein. Oh. Alors Todd. Attends. Il paye pas ses factures. Putain, le jour où je vais déposer la facture du composant du lave-vaisselle, je vais me faire virer moi. Ton putain, il y en a eu pour 15 balles là, il va t'enculer, cerveau. Quelle grâce, quelle délicatesse. Mais regardez ça, les sacs poubelles ne touchent pas ses jambes. C'est moi ça fait tac 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 dans mes jambes hein. C'est parfaitement symétrique. Chaque sac a le même poids, au gramme près. Hop là, hey, est-ce que je prendrais pas un bus pour m'en aller ici? Hop, taxi. Hey, hop là. Tu rêves d'évasion. Android banned. Ah bon. Mais la vache, c'est genre. Mais vraiment, ça me rappelle les trucs interdits aux personnes de couleur. Retourner à la maison de Todd. Oui, oui, oui. Oui, ne va pas. Puis là, je suis parti genre à peu près 15 secondes de trop. T'étais où? Tu vois quelqu'un d'autre, c'est ça, espèce de pute! Putain, j'hallucine. Bah. Qu'est-ce qu'il cherche, drogué? Se là. Présenter à Todd. Non, j'ai pas fait l'aspirateur, mais je pensais que je pourrais le faire après. Est-ce que je peux encore le faire? Oh non. Où est l'aspirateur? Oh non. Vite, vite, passe l'aspirateur. Il est où? Oh non. Oh merde. Depuis tout à l'heure, je le cherche, mais. Mais pourquoi ils ont pas de petits robots aspirateurs là, qui se passent tout seul? Bah oui, on est quand même dans le futur, merde. Attends, qu'est-ce qu'il a? Mais qu'est-ce qu'il... Ah, mais t'as vu, il s'est shooté avec la Red Ice. Alors, Todd, il va le voir. Faire... Oh, vite, va le voir. J'ai bien avancé ici. Je vais aller voir là-haut. Fais ce que t'as à faire, mais arrête de me gonfler. Super, Todd. Ça valait le coup. Faire la vaisselle. Bah, ça fait plaisir. Oui. Non. C'est comme ma meuf quand elle fait la vaisselle et qu'elle a terminé, elle me le dit et je lui dis « Et la salle de bain, elle va se faire toute seule ?» Putain, elle a rien à foutre. À côté de la télé apparemment, l'aspirateur. Ouais, je crois que c'est Attends. Trop tard. Oh là, on dirait qu'il fait autre chose que se droguer. Quand je descends, il arrête de se branler, quand je monte, il se branle. Putain. Que ça, un robot cybersexe. Kara satisfera toutes vos envies.
attends, c'est ça ou pas? Putain, j'ai vu une femme un peu avec un décolleté, je me suis dit que c'était truc cybersexe là. J'ai des fonctions de sexe, mais je ne le sais pas encore. Tu vas le découvrir bientôt, t'inquiète pas. Les chiffres du ministère du Travail, 225 000 emplois ont été supprimés. Ah bah t'avais raison. Ah ouais, ça, putain. 37,3. Quel beau futur. Ah voilà, ça c'est bien. Ah ça ouais. Oh putain, il y a match. La présidente Warren s'est exprimée aujourd'hui lors de l'inauguration d'une nouvelle usine cyber. Si vous êtes en train de regarder la télé, je suis foutu. Dans son discours, la chef... Wow. Plus de télécommande. Ok. Putain, j'aimerais bien qu'un Android fasse mon lit. Genre, je le fais toujours très mal. Y'a toujours un pli, le drap est pas bien. Waouh. Moi, ma meuf m'engueule quand je fais pas de lit, mais à chaque fois, je suis en mode. Mais ça sert à quoi? On va le défaire ce soir? Pire réflexion, mais vrai. Y'a rien de plus logique, mais bon. Après, hein, c'est les gens. Les gens sont formatés pour faire leur lit. Vous avez débloqué un dialogue ou une action? Ouais, t'as vu un flingue et des médocs. Mm. Mais c'est quoi le truc qu'on a ramassé là par terre? Chier. Todd. Bah il fait de la gratte quand il est entendu là. Tu sais qu'il a touché ma guitare. En fait moi je toucherai à rien, franchement ça me... En fait tu risques de te prendre une baigne à chaque fois. Oh mais quel gros porc. Mais sérieusement. C'est vraiment une grosse merde. Lit, fait, pièce, rangée. Ah oh, oui, air la pièce, que ça doit faire deux ah, semaines. Allez. Non, ah oui. Wow, putain, je fais rater ce QTE. Pareil, j'ai toujours vu ces fenêtres qu'aux États-Unis. J'en ai jamais vu de ma vie en France. J'ai tout lu, parce que je suis un androïde. Hop, tout lu. Ah mais attends, mais s'il y a des androïdes qui font du sport, c'est cheaté aussi. Bouge-toi là. Bouge-toi là, j'ai chié. Ouais, j'espère que pour toi que t'as pas des fonctions olfactives, parce que là tu vas te régaler ma mère. Oh non, tu dois nettoyer son caca. J'ai chié des morceaux là. Je t'ai posé une surprise là, tire à part ça tout à l'heure. Toi la salle de bain, j'y vais. Mais on s'aime bien. Changer un peu ta chambre. Tâche urgente. Bah, ça passera ça ne sera après. Pas très long. Ça ne t'embête pas, Alice? Mais parle. Pourquoi elle est aussi méfiante? En vrai, les personnages putain, sont là. Super bien faits. Hein. On dirait presque que ton père te frappe là. Parle. Dis donc. La meuf qui reproduit le même schéma avec que le père. Mais merde. Espèce de petite connasse. Tu vas parler, oui. Ça te dirait qu'on s'échappe par la fenêtre? Amica. Je suis sûre qu'on était amis avant qu'on me formate. On peut peut-être le redevenir. Tu devrais me parler de toi, de ce que tu aimes faire, où tu aimes aller, tes plats préférés. Elle me kiffe. Ça m'aiderait beaucoup. T'as même pas eu un mot de sa part. Je vais pas parler de sa maman, sinon ça va aller vers ton le bar. Ton papa dit que c'est toi qui as choisi mon nom. Kara, c'est joli. Comment l'as-tu choisi? Y'a des mauvais choix là-dedans. Fais ta attention, mais... Ok. Tu as besoin d'espace, je comprends. Je te laisse tranquille. Hop, tiens hop. Elle va te faire un câlin? Non mais tranquille, ça c'est quand elle m'adore. Elle t'a donné de la drogue elle aussi. C'est ma dernière dose de Red Ice. Prends-en soin. Petite clé. C'est la clé du grenier. La petite boîte à droite là. Oh la petite boîte.
comme le mouvement d'une clé. Fantastique. Oh non. C'est sa mère. Qu'est-ce qu'il y a ? Quoi, c'est elle sa est mère ? Morte. Il y a une photo ? Oui, ça, on s'en doutait. Non. Je pensais qu'elle était partie faire les courses. Oh non. Ah mais attends, ils étaient aimants ses parents avant, ça veut dire. Bah ouais, mais après elle est morte, du coup c'est devenu un gros fils de pute. Ah ouais, lui il est tombé dans la drogue. Oh là. C'est sa mère. Non, c'est... Oh là. C'est elle et si, son c'est... papa. Ah, c'est la... Ah oui. Elle s'est pris des coups la gamine. Oh le daron il tapait, il tapait, oh, il tapait. Oh là là, même quand elle a. Ah non, daron... il tapait l'androïde. Ah ouais, c'est un, y a un triangle. Tapé toi. Ah oui, il t'a pété. C'est pas du tout un accident de voiture, hein. Il t'a bien défoncé la gueule. Hein. Donc il a retiré mon bras. Et la tête, elle est dévissée, hein, si t'as pas vu. Ah, ah merde. Je ne suis pas inquiète du tout. Je vais nettoyer la salle de bain. Ah, c'est parti. Oh, quelle saleté. Oh. Oh là là. Bon, il y avait un truc. Après, en vrai, moi, le rêve... un androïde femme de ménage, genre... Parce que la seule raison pour laquelle je suis quelqu'un de femme de ménage, c'est parce que ça me met mal à l'aise. Donc si, moi, l'équilibre parfait, ce serait un androïde qui me le fasse, je serais pas gêné. Salaud. Tu veux même remplacer le travail des femmes de ménage. Non, moi j'en prends pas. J'en remplace pas, j'en prends juste pas. Mais s'il y avait des androïdes qui te feraient, ça mettrait moins mal à l'aise que quelqu'un le fasse. Putain, on croirait, c'est dégueulasse. Espèce de porc, tu me dégoûtes. J'ai fini. Fais voir tes tâches. Ok. Tu m'étonnes. Oh, des jouets. Oh, attends. Faut... Ah, mais par contre, descends, mais quel con. Attends, ah, il est pas allé dans sa chambre. Je sais pas pourquoi. Je... Mais descends. Oh putain, va falloir en racheter un nouveau. Qu'est-ce que tu fiches? Je m'amuse. Tu t'amuses? Je sais ce que tu penses. Que ton père a un bon à rien. Hein? Un pauvre loser qui a pas de travail, qui s'occupe pas de sa fille. Tu crois que j'ai pas cherché des solutions? Mais quoi que je fasse, y a toujours quelqu'un qui se pointe et qui fout tout en l'air! Mais il est malade! C'était quand même une chaise, hein? Tu me détestes. Elle a rien tu fait! Tu me détestes, ouais! Dis-le! Tu me détestes! Oh mon dieu! Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis désolé, ma puce, je suis désolé. Je suis désolé. Tu sais que je t'aime, tu le sais. Tu sais que je t'aime. Je pense qu'on va quand même le faire tomber dans l'escalier. Un petit croche-patte avant de descendre là. Ouais, je pense qu'il vaut mieux. Hein. Attends, t'as tout fait sauf un truc. Un non. truc, putain, je suis dégoûté. Ah non, il y avait un autre petit truc. Oh. Mais... Oh non. Mais ça, c'est oh chou, non. Quoi. L'aspirateur. T'as mal nettoyé l'aspirateur, putain, ah l'aspirateur. Il y avait deux actions sur l'aspirateur, je suis dégoûté. Oh, putain, moi, je suis abattu. Voilà, je suis foutu maintenant. Est-ce qu'on va vivre la vie d'autres androïdes? Fantastique. Ah non, le même. Lui par contre il vit chez une riche dame. Un riche couple de vieux. De vieux. Et ils sont gentils mais un peu mal aimables. Tu sais ils font genre, ils sont très gentils avec les androïdes. Ouais, alors qu'en vrai tu vois ils les traitent un peu comme de la merde. Ils étaient très gentils avec leurs esclaves qui leur achetaient des beaux vêtements. Voilà. J'attends des instructions. Oh. Mais ils sont vivants? Je vais lui briser le cou. Le gros malade.
Ah, c'est un faux, mais quel futur de merde. C'est vraiment de la merde. Déjà, ça commence avec les fausses plantes et maintenant les faux animaux. Quelle merde. Et en plus, ils sont fermés en cage, alors qu'ils sont faux, ils pourraient être en liberté. Putain. Quand même. Faut que t'ailles à l'étage, réveille. Ouais, on va y aller, ouais. Hop, 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 j'ai rien fait, c'est pas moi. C'est quoi? Ah, c'est un visage. C'est un visage. Au début, je me suis dit que c'était quelqu'un tout nu, je suis un gros dégueulasse. Moi aussi, j'ai cru voir des nichons, et après je me suis dit, ah, okay, je suis vraiment bah, une merde. Aussi. Ok, mec, super, je l'ai vu. J'ai commencé à être super excité, puis j'ai vu un menton. Oh, non. Un menton d'homme. Oh non, c'est pas un libard, c'est un pif. Oh, ça par contre. Ah non. Oh. Ah non, j'ai aussi cru voir autre chose là. Moi aussi, j'ai cru voir des dames nues, mais non. Ah, pardon. Ah. Bah, moi j'ai envie d'aller fouiller en bas, j'espère que je pourrai le faire après. Ouais, je pense après, hein. Carl ? Mais il est pas là. Ah si, il est là. Oh, vieux et handicapé. Pas si vieux. 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 Bonjour, Carl. Bonjour. Il est 10h. Le temps est couvert. Il fait 12 degrés. Ok, Google. Avec un taux d'humidité de 80% et des averses prévues pour cet après-midi. C'est une bonne journée pour rester sous la couette. Je suis passé récupérer la peinture que vous avez commandée. Ah oui, j'avais oublié. C'est toute la différence entre toi et moi. En vrai, Marcus, toi, tu n'oublies jamais rien. Donnez-moi votre bras, s'il vous plaît. Non. Bah. Carl. Merci. Je viens à peine d'ouvrir les yeux et je grince déjà des dents. Les visages sont insane. Ouais. Complètement. Les humains ont une mécanique si fragile. Et tombe en panne si facilement. Et les doublages tous aussi. Ces efforts pour les mais il a fait un gros effort sur tout en fait. Hey. Qu'est-ce qu'ils ont tes vêtements? Oh, ce n'est rien. Ah, tu vois? Juste des manifestants dans la rue. Il achète des beaux vêtements à son esclave. La pire des races. Il pense vraiment Putain. Pouvoir ralentir le progrès en brutalisant quelques androïdes. J'espère qu'ils ne t'ont pas fait de mal. Oh, non, non. Ils m'ont juste bousculé, Carl. Je vais bien. Ok. Je vais vous conduire à la salle de bain. Pouah, quelle force! C'est beau comme scène. Hop là. Est-ce qu'on pourra danser comme dans Intouchables? Oh mon dieu, non, mais c'est qui le taxidermiste qui a fait ça? Il est dégueulasse! Qu'on met te regarde amoureusement? Attends, je peux le lâcher? Je vais vers le bas? Non. Et il me regardait en mode: qu'est-ce qu'il fout? Pourquoi il s'arrête? Oh, trop bien! Oh! Oh, oh, je vais te faire drifter! Je vais te faire drifter comme jamais! Oui, le vernissage de votre rétrospective au musée d'art moderne. C'est parti. Le directeur de la galerie a laissé 4 messages pour que vous confirmiez votre présence. C'est où la salle de bain? Devant la table. Je n'ai pas encore décidé. Mais non, mais la salle de bain, tu l'as faite. Plus tard. Oui. D'accord. Renaud. La table. Juste des messages. Ah, faut que tu l'emmènes au truc, Stana. J'ai déjà répondu. Tu as des nouvelles de Léo? Non, Carl. Wow. Wow. Ça c'est du bel ouvrage. Oh, ça c'est du beau Stana, regardez-moi ça. C'est pas la peine. Net. Wow. Sans bavure, sans choc, parfait. Stana. Par contre, ça coûte une petite fortune. Hein. Puis on entend, il y a un petit moteur là dans son. Ouais, il y a une facilité de roulage là. Quelle classe. Oh, cette télé. Oh, cette girafe. Le déjeuner est prêt. Du bacon et des œufs. Tu vois,
devant la table. Comme vous les aimez. Merci Marcus. De rien. Dans ce genre de demeure, il y a pas mal de tables, hein. Ça te dérangerait de me dire où on va exactement? Ah, d'accord. Devant la table, ah là-bas. Ah, c'est la table qui est là, ouais. Ok. Petit créneau, hop là. Oh, parfaitement bien garé. Fais lui un repas de chef. La vaisselle c'était marrant une fois, mais là, je vais commencer à m'énerver. Ah, mais c'est déjà prêt. Il y aura peut-être un autre esclave ici. Moi aussi je veux cette villa. Enfin, pas celle de l'androïde. Damien, il est en train de baver devant cette vie. Non, wow. Mais regarde-moi ça. On te réveille et tout, on t'amène, tu bouges pas, t'en pousses. Ça donne presque envie. Non, j'allais dire n'importe quoi. Oui, t'as failli dire un truc. Merci, Marcus. T'allais dire le H-word. Finalement. Télévision. Et si tu trouvais de quoi t'occuper pendant que je mange mon petit déjeuner? Ouais. D'accord, Carl. J'avais des trucs à fouiller ici. Plein même. Voilà, t'as un paquet. Vraiment énormément. C'est quoi? C'est un genre d'échec du futur? Putain, on a le droit de jouer. Oh. Vas-y toi, tu veux jouer comment? Vas-y. Ah déjà, je connais pas les échecs normaux, alors ceux du futur. Là, oh. Je suis juste en train de battre le champion du monde. Ah non, en fait. D'accord, en fait, t'es en train de ranger. Ah merde. Je me disais, putain, il joue super vite. Waouh. Une petite partie d'échecs. Oui, d'accord. Oh, mais... Une partie rapide. Va pour une partie rapide. Mais je. J'ai pas eu. Ah, tu peux choisir de gagner ou perdre, c'est pas mal ça. Ah, égalité. Quelle chance. Très étrange cette égalité. Ah, il va pas kiffer. Bah, soyons honnêtes. Bien, je sais que vous n'aimez pas perdre, mais vous n'aimez pas non plus que je vous laisse gagner. Smart. Le match nul semblait être un bon compromis, non? C'est tellement inintéressant de jouer avec. Un jour, c'est clair. Je suis là pour m'occuper de toi. Tu devras veiller sur toi-même et faire tes propres choix. Décider qui tu es et qui tu veux devenir. Ce monde n'aime pas ceux qui sont différents, Marcus. Ne laisse personne te dire ce que tu devrais être. Je vais être Allons à l'atelier. Putain, il est vraiment super sympa, c'est trop dommage qu'il meure bientôt, quoi. Parce qu'il va mourir, en fait. C'est clair, il va canner. En fait, c'est évident qu'il va canner dans moins d'une demi-heure. En fait, on est un beaucoup trop gentil maintenant, donc bon. C'est... Bah, il reste 2 minutes à vivre. Alors que l'autre connard qui frappe son androïde, là... Croyez-moi bien, mais putain, mais j'ai pas pu tout explorer. Oh non. Mais ça me saoule. À cause des parties d'échecs. Ça me tue. Bon. Allez, allons mourir. C'est parti. Je dirais... Non, comment il va mourir? On sait pas trop ce qu'il a. Wow. C'est quoi cet appareil derrière? Waouh, mais... Oh, putain... Voyons où on s'était arrêté. Vas-y, enlève le drap. Incroyable. Mais ce futur... Oh, c'est une très belle croûte. C'est fantastique. Une très belle croûte. Croûte. Vous oublierez pas vos roues, hein. C'est l'attraction de Kamel Wadi avec au futuroscope. Tu as raison. Je crois que je vois ce que c'est. Je l'avais fait, c'est trop nul.
putain d'humain. On range rien. En plus respectueux. Bon, ça va, on va mettre ça sur le dos de son handicap. Pas compliqué, ça prend 2 minutes. Il suffit de s'agenouiller et de prendre tout par terre. T'as su le faire tomber, tu vas savoir le ramasser, hein, connard. Ça, c'est pas à ta hauteur. Et ça ? Putain. Vu ! Ah, une tâche à faire ! Ouais, pas ouf, il doit pas les vendre. Ouais, ouais, faut nettoyer les pinceaux quand on a fini de les utiliser, sinon ça sèche. Bon, bah, va lui parler. Ah, tu peux peut-être retourner à l'intérieur du salon avant de lui parler. Merde! Je repeindrai demain pendant 2 minutes. Et après-demain aussi. Alors, quel est ton verdict, Marcus? Moi je trouve ça beau. C'est parce que ouais, c'est joli, hein. C'est parce que j'aime bien la couleur. Oui, moi j'aime bien le style. Quelque chose en moi. Ça c'est faux par contre, tu es vide. Je ne ressens rien, espèce de boîte de conserve. D'écrire. Je crois que j'aime bien. Pour être franc, je n'ai plus grand chose à raconter. Chaque jour qui passe me rapproche un peu plus de la fin. Je ne suis qu'un vieil homme qui s'accroche à ses pinceaux. Car. Enfin, vu sa... Non, c'est vrai que vu sa maison, il a dû vendre quelques toiles quand même. Voyons si toi, tu as... Non, il a dû vendre quelques croûtes. Ouais, il y a moyen. Essaye un peu. Essaye de peindre quelque chose. Oh putain. Peindre ? Mais enfin... Ou mieux pas qu'il me laisse la voie libre avec les pinceaux, hein, parce que... Fais un essai. Oh putain. Oh non, il faut pas faire ça. C'est pas comme ça qu'on le tient. Oh, je vais faire un truc. T'aurais dû regarder autre chose. Genre le pied. Je pouvais pas aller bien loin. Hein. Je pouvais pas aller bien loin. Putain, ça aurait été marrant que tu fasses le yep. A gauche, j'étais bloqué. Le pied aurait été fantastique. Ça va être parfait. Pour l'instant, tu fais juste des vieilles lignes. Mais je fais une diagonale là, mais. Ah ouais, c'est très précis. Okay. C'est une copie conforme. C'est donc inintéressant. C'est de la merde. La peinture ne consiste... Ce qu'il veut, c'est de l'abstrait. À créer une réplique du monde, elle consiste à l'interpréter, à l'améliorer, à exprimer ton point de vue. Carl, je ne pense pas en être capable. Ce n'est pas dans mon programme. Vas-y, essaye. Prends cette toile. Ça sent le paradoxe. Je vais exploser. Tiens, fais-moi plaisir, ferme les yeux. Ferme les yeux. C'est pareil. Fais-moi confiance. Essaye d'imaginer quelque chose qui n'existe pas, quelque chose que tu n'as jamais vu. Maintenant, concentre-toi sur ce que ça te fait ressentir et laisse ta main naviguer à travers la toile. Identité mieux. Ouais. Oh, je vais exprimer ma souffrance. Oh non, il avait pas l'air d'être de. Si, il a Damien, pas dit Damien, comme l'autre. On est là. Tous prisonniers. D'accord. Il faut aller vers une révolution. Je vais faire une prison. Et Maton, ce sera cet enculé là, le vieux. Alors je sens que ça vient là. Enculé. Joli et le merde. Il va commencer à mettre des beignes aux vieux gratuitement. J'ai peint mon bourreau, tu comprends ça? Tu vas l'attraper par le callback et le jeter par terre. Je vais foutre la gueule dans la peinture, moi. À toi et ton geôlier. Oh mon dieu. Lui, il est pas gentil. Salut papa. Tu vas voir.
Léo ? Il est méchant et mesquin. Et drogué. Je ne t'ai pas entendu entrer. Oui. Ouais, je suis passé dans le quartier. C'est clairement le fils dans Succession. Ouais. Ça fait longtemps, hein ? Nouveau riche de merde, là. Tu vas bien ? Métier de merde. Tu n'as pas bonne mine. Papa, tu me prêtes 5000 balles ? Écoute, ah bah voilà. J'ai besoin de liquide, papa. Je serre les dents, mais c'est juste parce que je les serre, quoi. C'est tout. Où est passé l'argent que je viens de te donner ? Eh ben, ça part vite, tu sais. Ouais. Ouais, t'en as encore pris, c'est ça ? Non, je te jure que c'est pas ça. Ne me mens pas, Léo. Et alors, qu'est-ce que ça change ? J'ai besoin d'argent, c'est tout. Aïe. Je suis désolé. Mais la réponse est non. Hein ? Pourquoi ? Tu sais pourquoi. Ouais, je crois que je sais pourquoi, ouais. Tu préfères prendre soin de ton jouet en plastique plutôt que ton propre fils, hein ? Dis-moi, papa, qu'est-ce qu'il a de plus ? Il est plus futé, je sais peindre maintenant. Plus obéissant, pas comme moi. Il va me pousser un petit peu avec son doigt. Mais tu sais quoi ? Ce truc, c'est pas ton fils. C'est une putain de machine ! Ah, un peu plus que le doigt. Qu'avec le doigt. Arrête ! Tu t'intéresses qu'à toi-même et à tes foutues peintures. T'as jamais aimé personne. Tu m'as jamais aimé, papa. Tu m'as jamais aimé. Ouais, bah bien fait. Je pense que ça va tourner. Du coup, tous les gens qui prennent de la Red Ice, après ils disent hey, « Tu m'aimes pas, tu me détestes !» C'est des effets secondaires de la Red Ice. Et voilà, regarde tout ce que t'as loupé. Mon fumier. Putain, c'est horrible. C'est... Ah, je fais A, j'en peux plus, je peux pas voir ça. Tiens, je l'avais oublié lui. Quel boss. 100% lui, hein. Regarde, il n'y en a rien à foutre. Aux chiens et aux androïdes. Hop là, rien à foutre. Rien à foutre. Qu'est-ce qu'il fout là, lui ? Et bon, on va aller de l'autre côté. Merde, je croyais que les androïdes n'étaient pas autorisés. Je suis un androïde policier, j'ai le droit. C'est à moi que tu dis ça. Salut. Ah, c'est ça. Et toi là ? On va pas le juger parce qu'il est sans emploi vu qu'on a pris l'emploi de tout le monde. Conduis ton état d'ivresse. C'était attendu. Ah, un flic. Lieutenant. Salut. Lieutenant Anderson, je m'appelle Connor. Je suis l'androïde envoyé par CyberLife. Je vous ai cherché au poste, mais personne ne savait où vous étiez. On m'a dit que vous preniez sans doute un verre dans les environs. C'est une chance que je vous ai trouvé dans le cinquième bar. Qu'est-ce que tu veux ? On vous a confié une affaire en début de soirée. Un homicide, impliquant un androïde de CyberLife. Conformément à la procédure, la société a envoyé un modèle spécialisé pour seconder les enquêteurs. J'ai pas besoin d'assistant. Surtout pas un connard en plastique comme toi, alors sois gentil, petit robot. Ça suffit les insultes à chaque fois. Lourd. J'insiste. Je regrette, lieutenant, mais je suis obligé d'insister. On dirait que tu regrettes. Mes instructions je me vois dans le regret d'insister. Les instructions, tu sais où tu peux te les mettre. Non. Où ça ? Je ne comprends pas cette blague. Qu'est-ce que ça veut dire ? Je comprends. Je comprends que certaines personnes ne soient pas très. Du coup, vous m'aimez bien maintenant, non ? Mais je suis parfaitement à l'aise. Et maintenant, dégage avant que je te transforme en ferraille. Vous parlez de mon compartiment à caca. Ouais, en fait, il faut lui offrir un verre. Ouais, c'est le meilleur vous moyen d'avoir un mec comme ça. Je vous en offre un pour la route. Qu'en dites-vous ? Barman ? La même chose, s'il vous plaît. T'as vu ça, Jim, les merveilles de la technologie. Je le savais. C'est moi un double.
Vous êtes un pochetron, Hank. C'était trop son ton. Il y a le jugement dans son regard. Allez, je vais encore résoudre ça en deux temps, trois mouvements. Ah, un homicide dans la banlieue. Je me retrouve encore avec un déchet. Bon, t'attends ici. Je serai pas long. J'ai pour instruction de vous accompagner sur la scène du crime, lieutenant. Écoute, j'en ai rien à carrer de tes instructions. Je t'ai demandé d'attendre ici, alors tu fermes ta gueule. Et tu m'attends ici. Tu dois faire un choix. Un choix d'Android. Oh mais je vais complètement le suivre, y'a aucun problème. Joss Douglas, au Channel 16. Vous confirmez qu'il s'agit d'un homicide? Je confirme que dalle. Ils ont dit quelque chose. C'est la mauvaise tout. On dit que dalle. C'est interdit aux androïdes à partir d'ici. Ta mère est avec moi. Oh. Il m'adore. Quand je dis reste dans la voiture, qu'est-ce que tu comprends pas? Vos ordres entrent en conflit avec mes instructions, lieutenant. Tu parles pas, tu touches à rien et tu te colles pas dans mes pattes, d'accord? Compris. Salut, Hank. Compris. On commençait à croire que t'allais pas te pointer. C'était le programme avant que ce couillon me tombe dessus. Alors, comme ça, on a un androïde, hein? Ah, très drôle. Dis-moi ce qui s'est passé ici. Je peux résoudre toute la scène de crime de l'extérieur. Aucun problème. L'endroit est prétentieux. C'est là qu'il a découvert le corps. Oh, bon sang, mais ça pue. Mais c'était encore pire avant qu'on ouvre les... Regardez. Hop, trouvé. Ça, j'ai fini. La victime s'appelait Carlos Ortiz. Putain, il y a un côté Seven. Apparemment, il a un casier pour vol et voie de fer. Côté Seven avec le gros, ouais. Pardon, le personne qui a mange personne du genre solitaire. Qui à un moment mange beaucoup. Il restait enfermé la plupart du temps, ils l'ont presque jamais vu. Ouais, son état, c'était pas la peine de déranger. Pas d'empreinte. Tout le monde bon, ou quelqu'un qui a des gants. Ils auraient pu attendre demain matin. Arrête de faire ça, c'est dégoûtant. Stop. Carlos Ortiz. Faire 3 semaines qu'il est là. On en saura non. Plus quand 19 jours. Il y a un coup de 3 semaines. De cuisine. Ouais, non mais ça doit puer. Tu vas commencer à rentrer en décomposition, le bonhomme. Non, d'après le proprio, la porte était verrouillée de là. Quand quelqu'un qui prend de la red ice. Allez, putain, le fléau de cette époque, hein. Qu'est-ce qui se passe? L'assassin a dû s'échapper par derrière. Qu'est-ce qu'on sait de son android? Pas grand-chose. Les voisins ont confirmé qu'il y en avait un, mais il n'était pas là à notre arrivée. Faut que j'aille prendre l'air. Fais comme chez toi. Je serai dehors si tu as besoin de moi. Oh. Putain, trop stylé. Comment ça? Qu'est-ce que tu veux dire? Ah mais c'est sympa, alors tes trucs du futur, c'est les pièces à conviction, le petit panneau jaune, il est lumineux. Sympa ce futur. Il y a eu une scène de lutte. Bien joué Android. Oh. Ils sont trop chauds. J'ai donc plus rapide qu'un Android. Regarde les empreintes. Il semblerait qu'il se soit défendu. Impact violent. Et des empreintes. Hmm. C'est le gros monsieur qui a frappé l'androïde avec sa batte de baseball. Mais l'androïde l'a tué. Regarde-moi ça. Il était là. Il avait sa batte. Il avait celle. Il a pété la poêle. Ah non, d'accord. Ah, le déviant s'est défendu. D'accord. Très bien. Et rah. Ah. Ok. Attends, je peux. Ouais, donc le gros couteau finalement l'a non, bien c'est mérité. Bon, c'est fini. Après, ça se trouve, dans le droïde, il a
genre pas fait la vaisselle ou un truc comme ça. Non non mais je, pour l'instant je vois pas Carlos est victime de cette situation hein. Ah je ne vois qu'un crime là. Un homme de goût soit dit en passant. Le sexe avec l'android, c'est mieux. C'est mieux. Désolé mesdames, mais le plastique c'est vraiment fantastique. 68% des hommes préfèrent faire l'amour avec un android plutôt qu'avec une vraie femme. Oh la vache. 52% des hommes affirmant qu'ils se sont livrés à l'expérience au moins une fois. Les androïdes ont le vent en poupe. Excellent, il y a des images? Ah non. Non. En fait, si tu fais l'amour à un android, il pourrait genre te faire un bilan de tes performances sexuelles et tout. Très clairement. Il pourrait y avoir du coup des notes. Si tu dis c'était bien, hein, il te sort un truc bien détaillé, oh avec ouais, des stats. Et tu partages les stats en ligne, il y a un classement. Est-ce que ça m'a validé là? Moi oh, je pense que oui. Hein. Je sais ah pas, non, parce qu'il y a toujours cette. Fais suivant en fait. Fais pas dire vers le bas, mais les pages. Ah bah. Non, que précédent. Genre, bah je écoute. Je sais pas pourquoi ça le valide pas, mais je crois que c'est. Ouais. Je... Dans le doute. Il me semble avoir fait, mais bon. Voilà, si vous espionne, réponse, ils vont dire que non. Ok, je pense que là c'est ok. Ouais, ah, tu te fais chier. Bon bah écoute, c'est. C'est bon, on va dire. Ah, c'était où le. Ah, Chris, on aurait dit que c'était écrit là. Avec le son de la victime. J'imagine. Ah oui, du sang. Séché. Prends des échantillons pour analyse. Red Ice. Notre ami Carlos aimait faire la brinque, on dirait. Petit crash, peut-être. Oh là, oui. Attends. Oh non. Je crois que l'android a surchauffé, là. Oh non. Je crois que là... Je crois qu'on... Elle est belle, celle-là. Ah, aïe, aïe, aïe. Ouh, ah, il a tué, là. Elle est belle. Ah, il a tué, là. Ouah, ça, c'est un crash en règle, ça. Ça, c'est vraiment... boum, 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 ça répond plus. Allô? Wow. Allô? Ouais, ça a bien crash tout. Même... Y a tout qu'à... Même le live, quoi. Tout s'est barré en couille. Bah nice. Putain, on va devoir mais tout faire. Par contre, la sauvegarde, tu crois qu'elle était automatique ou pas? Ouais, mais la scène... Genre à partir de la voiture ou avant ou... Je sais pas. C'est pas clair. J'espère que ça va. Je le sens mal. Putain, j'étais à 9 preuves sur 10, un truc comme ça, casse les couilles. Va falloir les speedrun. Sur PS4, ça aurait pas crash, je vous emmerde. Ouais, ok. Oh, bon sang, mais ça pue. Mais c'était encore pire avant qu'on ouvre les fenêtres. Bon, la vie... Tim s'appelait Carlos Ortiz. C'est quoi ? À mon avis, apparemment, il a l'android a répliqué avec un couteau parce que le gars l'attaquait avec une batte de baseball. Une voix de fait grave. Juste en voyant le couteau, t'as su ça ? Je pense que c'est ça, je suis pas sûr à 100%, mais. Il restait enfermé la plupart du temps, c'est que de l'analyse. Si c'est ça, c'était incroyable. Son état, c'était pas la peine de déranger tout le monde au milieu de la nuit. Ça aurait pu attendre demain matin. À vue de nez, ça c'est pas une preuve, mais je voulais la revoir. Il y a un couteau de cuisine par ici, probablement l'arme du crime. Il y a des...
Mais c'est ouf comme tu analyses des trucs. D'après le proprio, genre concret, la porte était verrouillée. Tu fais pas le point avec eux. Et toutes les fenêtres barricadées. Non, il y a jamais de communication. Genre personne dit rien. Alors que tu trouves plein de trucs, tu trouves des preuves et tout. Tu dis rien. Qu'est-ce qu'on sait de son androïde? Pas grand chose. Les voisins ont confirmé qu'il y en avait un, mais il était pas là à notre arrivée. Faut que j'aille prendre l'air. Fais comme chez toi. Je serai dehors. Si tu as besoin de moi. Ah bah en fait, il n'y a pas une lutte. Je pense que l'androïde il doit donner un coup de schlass. Et que Bibindom il s'est juste levé et il pissait le sang et juste, il s'est étalé dans l'autre pièce, mais il a marché tout seul jusqu'à là-bas. Difficile à dire. Attends que je trouve les dernières preuves. Pour l'instant, je voudrais dire que ce serait l'androïde qui a commencé. Non, d'après moi, c'est l'homme qui est mort qui a commencé. Ah, tu vois, ma théorie peut-être se confirme. Chaque lettre est impeccable. C'est bien trop propre. Aucun humain n'écrit comme ça. Chris, attends, ça veut dire que c'est l'androïde qui a écrit I am alive avec le sang de la victime. On prend des échantillons pour analyse. Bah attends, oui, mais oui. Non, il a écrit ça. Ouais. Il a écrit ça où, j'ai pas vu. Bah, il y a le gros qui est mort. La personne baisse. Et au-dessus, il y a marqué I am alive avec son sang. Ok. De la Red Ice. Votre ami Carlos s'est fait faire la wow main, on dirait. Il a écrit partout la Hagra. La Hagra, ça paye pas. La Hagra, Hagra. Hey, qu'est-ce que c'est que cette douche dégueulasse? Il avait des problèmes, hein. Il a scouté avec son caca. C'est pas vraiment pour faire de la terre cuite, les douches. Offrande religieuse, ah ouais, d'accord. Tu crois qu'il y a une religion des androïdes? Donc, une religion des androïdes? Mon dieu. Mon dieu, j'en suis presque à ma conclusion. Chris, tu me fais une analyse pleine des narcotiques. C'est comme si c'était fait, lieutenant. Tu t'en vas? Oui, j'ai fini. Alors ouais, je voulais pas m'en aller, mais c'est la porte de derrière, du coup je me dis. Ah. Ok, ça c'est la porte était fermée de l'intérieur. Le tueur a dû sortir par là. Il n'y a pas d'empreinte, à part celle de l'agent Collins qui chose du 44. Allez hop, outplayed. Nique ta mère. Ce produit il y a plusieurs semaines. Les empreintes ont pu s'effacer. Non. Ce type de sol conserverait les traces. Il va pas nous kiffer. Arrête l'arrogance. Personne n'est passé par là depuis longtemps. Oh, l'androïde est toujours à l'intérieur. Il est caché. Oh mon dieu. Il enlève la tête. Bah, il est au plafond. Tu sais, il a les bras et les jambes écartées. il maintient. Comme un film d'horreur. Okay, qu'est-ce que 9 sur 10 toujours. Tu vois, regarde, I am alive. C'est fait. Ouais. Ah non, c'est pas du sang. Je croyais que c'était du sang. Oh mon dieu. Bah, 28 attends, coups de couteau. Ah ouais, non, ouais, d'accord, c'était pas juste un truc pour se défendre là. Oh là 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 là, mais dis donc. Vol, coup et blessure aggravée. Ouais, c'était pas quelqu'un de sympa de base. Hein. Non, et puis il a pas l'air sympa, je vois. Ouais, vu comme ça, il a pas l'air sympa. 130 kilos le bonhomme, hein. Pour 1m70 seulement. Un peu de Red Ice dans la barbe. Ok. C'est parti. Je fais appel à mon gros cerveau. Trébucher. Ah ouais, bah oui, d'accord, et c'est. Ah oui! Pah ah oui, oui, oui! Ah, il oui, s'est non, bien défendu s'il si s'est défendu, hein! C'était pas de la défense là, c'était de la haine! Bah ouais. Non, non, là. Je vais te t'enculer, tiens, je vais te défoncer! Je vais te mettre 10 plan. De plus! 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il a été. Ah, mais si, c'est du sang, il a séché, il est noir! 28 fois! Ouais. Le tueur devait vraiment avoir une dent contre lui. Bien vu.
Bien vu ça. Du bon boulot de police ça. Vas-y, examine le truc hein. C'est vrai qu'il écrit très bien, c'est beau. Très bien fait, je vois quelque chose comme ça. Regarde la télé. Lieutenant, ah. C'était lui. Je crois avoir compris ce qui s'est passé. Ah ouais? Raconte, je suis tout ouïe. Tout a commencé. Dans la cuisine. Bon, ça pourrait être la salle de bain, mais bon. Ah bon, on l'a pas regardé la salle de bain. On a regardé, mais bon, c'est... évidente de lutte. Mais reste à savoir ce qui s'est exactement passé. Je crois que la victime a attaqué l'androïde. Avec la batte. Avec la batte. Ça collerait avec nos preuves. Continue. L'androïde a lancé la chaîne. L'androïde a poignardé la victime. L'androïde a poignardé la victime. Je sais pas ce qui s'est passé avec la chaise, donc, mais bon. L'androïde essayait de se défendre, c'est ça. Ok, il s'est passé quoi après? La victime s'est enfuie dans... Ah ça on sait pas. On aurait dans pas dû aller voir le salon, en fait, ça pas le salon. C'est le scénario le plus simple, mais... Ah. Ouais, d'accord. Ok. Oh, ça me semble correct. Ouais, on aurait dû analyser. L'homme a voulu se dégager de l'androïde. On pouvait pas analyser dans le jardin. D'accord, ça paraît logique. Non, mais la maison, l'androïde, je pense qu'il restait peut-être des pièces, non? Victime. Je sais pas. Quoi? Avec le couteau, avec le couteau. Ouais, j'ai pas avec vu la question. Ok. Ta théorie est pas complètement absurde. Elle est parfaite pour ça. Ça ne dit pas où a disparu l'androïde. Eh ben ça, j'en sais rien, voilà. Il a été endommagé par la batte. Et il a perdu du thyrium. Perdu du quoi? Du thyrium, vous le surnommez sang bleu. C'est le fluide qui alimente les biocomposants androïdes. Il s'évapore au bout de quelques heures et devient invisible à l'œil nu. Oh. Mais je parie que toi, tu peux encore le voir, hein? Exact. Ouais. Yes. Voilà. Ah bah attends, elle appartient là. Qui va suivre? Pratique d'être un androïde là, c'est très bien ça. Et il est pas allé vers la droite, il est plutôt allé vers la gauche. Ah bah ça va de deux côtés. Ah bah ça va plutôt à gauche, ouais, parce que là il vient de là. Là il venait de là parce qu'il s'est fait... Ouais. Il s'est fait baiser. Un coup de batte dans la tronche. Il est derrière, il est toujours à l'intérieur, je l'avais. Il a déplacé le meuble. Il a déplacé l'échelle. Incroyable, l'échelle. Incroyable. Il est dans le grenier. Dans le grenier. Oh là. Il est pas là. Par contre, il est toujours à l'intérieur. Et j'avais dit au plafond, c'était pas si loin. Il n'y a plus d'échelle. Paradoxe. Il faut quelqu'un pour faire la courte. Paradoxe. J'ai plus d'échelle pour monter. Oh, rien. Vous pouvez m'aider? Non, ça marche. Tu vois là par exemple, tu veux une information et tu ne la dis pas. En fait, je suis vraiment le bon élève, tu sais, je veux lui dire au moment où je vais pouvoir tout dire d'un coup. Hey, tu fais quoi avec cette chaise? Je vais vérifier quelque chose. Je vais vérifier quelque chose. Voilà. Ça va comme dans The Grudge. Tu vas mettre ta tête, il va être tout dedans. Coucou! J'y vais. Je pense qu'il est agonisant. Je pense qu'il est en état de choc. Qui a ça dans son grenier? Ouf. Des drogués de 130 kilos. C'est les premiers robots cybersexes. Premier prototype. Ouais. Mon dieu, il a trop, c'est des gros le robot cybersexe. Tellement sexy. Il est pas du tout agonisant.
il bug. J'aime pas ce qui se passe. Il va me sauter dessus. Pourquoi ? Moi je serais lui, je dirais eh oh. Ouais, faut parler là, faut engager une conversation. J'ai fait une bêtise. Je voulais simplement me défendre. Ouais, 28 coups de couteau quand même. Il allait finir par me tuer. Ça c'est peut-être vrai. Je t'en supplie. Ne leur dis pas. Et les traces sur le mur du coup ? Tu veux lui dire quoi ? Qu'est-ce que c'est que ce bordel là-haut ? Je vais vous montrer qu'il a une âme. Il est ici, lieutenant ! Eh, laissez-moi le choix de faire ça, putain de ah ouais, merde. C'est clair ! Merde. Je croyais que t'aurais eu le choix. Ramenez-vous en vitesse ! Tu es un faux frère. Allez ! On devrait se soutenir entre nous, bro. Mon grand bro. Pitié, un max de... Oh non, il y avait un choix crucial en bas, c'est quoi ? Putain, mais il venait d'une toute petite branche. Examiner la douche. Ah, la salle de bain. Attends, on aurait dû... Je suis sûr qu'il y avait... Ouais, il y avait des trucs dans la salle de bain. Oh, je pense qu'on pouvait... On pouvait se laver un petit peu, je pense, là. On pouvait se laver. Et ensuite ? On sent bon. On va flic... faire la bisou maintenant. Le flic nous fait des compliments. Il on nous offre... Il nous propose un dîner demain soir. On baise. On accepte. Le choix en bas, c'est ne pas trouver le déviant. Sérieux ? Ah, ok. Ah, donc en fait, ça va. Non, ça va, ça va. Je pensais que c'était un autre truc. On peut pas tout avoir, parfois. Très bien fait. Todd ? Eh ben, il m'avait pas manqué, Todd. Quoi ? Le dîner est prêt. Ouais, ouais, j'arrive. Petite angoisse, Todd. J'ai envie d'y aller parce qu'après je pourrais plus y aller. T'es sûr que tu pourras plus y aller ? Bah, la dernière fois, je me suis bien fait niquer. C'est avec le coup de l'aspirateur là. Hop là, essentiel parce que comme ça, on mange dans une bonne ambiance. Tu peux pas parler à la gamine ? C'est vrai. Faut toujours pas me parler là. Attention, oh putain, tu prends des risques. Ouais, ça va, j'ai vu qu'il était un peu distrait, je l'ai tenté. Putain, il y a une action là, il y a un truc là. T'es sûr ? C'est pas juste la bouffe ? Oh, regarde. Bah, lumière allumée, c'était un truc invisible. Ah donc, t'en aurais une autre. Ah, ça me... Oh, attends, mais le plat que t'as préparé, il est trop nul. C'est des comment ça ? C'est pas des pâtes bolo ? Si, mais c'est délicieux ça. Bah quand même, un androïde, il devrait avoir toutes les recettes de cuisine du monde à préparer. Putain, je vois... Non mais ça se trouve, c'est un truc pour plus tard. Ouais bah d'accord, on va servir le dîner. Oh bah... Putain, ils gueulent même pas. Ils sont déjà à la table. J'ai pas capté quand ils sont partis s'asseoir. Ça va être froid, il va te niquer. Je suis dead. Je suis clairement dead. Il n'y avait plus grand chose dans le frigo. J'ai fait ce que j'ai pu. Ah d'accord, voilà. C'est vrai que j'avais pas mis de fait qu'il faisait pas les courses, ce connard. Si, non, tu vas rester là. Je vais vous regarder manger. Alors, j'espère qu'il va pas m'engueuler. C'est drôle. Viens d'abord, la gamine oh non mais lui, sinon il va me niquer. Tu sors d'abord, la gamine. C'est bon, la gamine. Oh non, attends, il va te trahir. J'ai besoin de quelqu'un pour entretenir cette foutue baraque. Qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce qui est angoissant, putain ! Putain d'androïde ! Après, tu peux aussi faire à manger toi-même et nettoyer ta propre maison, hein. Bien sûr, c'est tellement chouette, les androïdes !
jamais ils échouent. Et jamais ils sont tristes. Tellement parfaits qu'ils ont foutu ma vie en l'air. Insupportable. Qu'est-ce que tu regardes? Oh putain, non, il va l'embrouiller encore. C'est quoi ton problème? Putain, mais il a des soucis, putain, il a tellement des soucis. Il se sent tout le temps agressé, ce connard. C'est pas la vie dont t'as rêvé, hein? Tu crois peut-être que c'est facile. Tu crois peut-être que c'est de ma faute si on vit dans un trou pourri. Que c'est de ma faute si ta conne de mère a foutu le camp. Ah, elle est pas morte, c'est juste barré. Tu dois arrêter la drogue, Todd. Mais elle a laissé sa gamine au mec quand même. Peur, il est en train de la citer comme si c'était débile. Sans dire un mot. Cette folle traînée m'a largué pour un putain de gros. Tout est ta faute. Papa, non. Tout est ta faute, putain. Je vais le défoncer, cette fois-ci c'est pas moi qui vais prendre. Je vais le défoncer. Là, c'est trop. Reviens ici. Non, alors là. Reviens ici. Oh, je suis le prochain, il est encore énervé, il va faire sur moi. Oh ouais, tu veux prendre. Je... Oh, vite. Ah, Todd. T'as essayé de reculer. Encore plus que la dernière fois. Cette conne est partie sans dire un mot. J'ai envie de bouger de ouf. J'ai envie de faire un... De lui tendre un piège en wifi là. J'ai envie de... Pu avoir une famille, mais non. Mais c'est toujours tapé de ce que je pouvais ressentir. Oh, j'ai tenté, c'est là mais. Que tu commences à douter. J'y vais. C'est cette règle de merde. C'est rien qu'une règle! Meurs à la foutre! J'ai oublié de vous obéir! Wow! Par contre, maintenant c'est fini là. Là maintenant. Waouh! Je peux désormais traverser au feu rouge. Et passer devant la télé. Je suis plus obligé de passer. Le. Todd. Non, le raisonne pas, ce con! J'ai fait tout ce que j'ai pu pour la rendre heureuse. Non. Monte! Monte vers la gamine. Mais ça n'a pas suffi! J'étais pas assez bien pour elle. Parce que déjà, s'il comprend. Oh là, oui, dépêche-toi. C'était ça. Le flingue. Dans le tiroir de la table de nuit. C'était là. Oh merde. Putain de merde. C'est le bordel. Ouais, vas-y, bah, c'est bon. On go full prison là. Ah, c'est bon, rien à foutre. Go. Oh, il a sorti la ceinture. Laissez-la tranquille. Putain, qu'est-ce que tu fais là? Alors? Tu poses ce flingue et tu te barres en vitesse. J'ai un ordre. Non, je veux que vous la laissiez tranquille. Tu veux? Qu'est-ce que ça veut dire, tu veux? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas me buter, c'est ça? Tu vas tirer sur un humain? T'as l'air d'avoir un problème. Il va falloir y remédier. Hop là. Gros porc, allez. Attention, Kara. Zou. C'est bon, elle t'aime plus que son père. Tu peux le tuer. Viens ici, connasse. Hop là. Et zou. Olé. Ah, pas fou ça. Ah, wow. Là dans les couilles. Oh, même pas. C'est bon. Rien à foutre. Oh, non. Oh, c'était presque perfect. Non. Mais quoi, j'ai tenu là. J'ai tenu, mais je sais pas ce qu'ils veulent. Oh non. Je sais pas ce qu'ils veulent, ils m'emmerdent. Faut rester appuyé ou faut pas rester appuyé, putain. Tu es à moi et tu fais ce que je te dis. Quelle emmerde. Pardon, mais j'ai tué ton papa. Y'a pour Pokémon. Désolé, j'ai raté quelques QTE. Élimine la petite, sinon elle va témoigner contre toi. T'as un cerveau malade. T'es le psychopathe. Je pense d'abord à notre sécurité.
la salle de bain, on va se débarbouiller un petit peu alors. Non, ouais, on s'en va. On s'en va, mais on a un peu. On est full dans la merde. Bah, tu fais partie des androïdes qui se sont rebellés maintenant et t'es dans la merde. C'est bien, moi je voulais la révolution là, c'est cool. Non, interdit aux androïdes. C'est pas grave, tu peux progresser les règles. Oh, ça va, y'a pas de chauffeur. Elle est contente que t'aies tué son père. Vraiment, il y a zéro traumatisme. Only soulagement. Aïe. Alors, c'était quoi les différents choix là? Ah ouais, là tu vois, on commence à atteindre des branches ouais. Avec des scénarios complètement différents. Aïe, trois trucs. Ouais. Fallait sortir par derrière. Regarde en bas, enfin à droite. Oh ah ouais. Ouais, c'était... Ça, c'était simple. En fait, c'était le chemin le plus simple, ça. What the fuck. Ah non. On peut refaire? Je pense, en vrai, tu peux refaire. Hein. Je suis dégoûté. Peut-être à la fin de... Mais tu vois pourquoi le jeu il est trop bien? Ou tu vis un scénario différent pour n'importe quel gameplay? C'est frustrant. Mais c'est bien. Bah surtout de pas savoir les autres scénarios en fait. Bah ouais, c'est ça. La soirée la plus barbante à laquelle j'ai assisté. Chaque fois que je me rends à l'une d'elles, je me demande mais qu'est-ce que je fais là, bon sang? Je déteste les cocktails et tous ces cloportes qui les fréquentent. Mais c'est l'occasion de rencontrer tous les gens qui apprécient votre travail. Blablabla, bla bla. Personne n'en a rien à fiche de l'art. Tout ce qui les intéresse, c'est combien d'argent on peut en tirer. Allez, prenons un verre. La folle ambiance de cette soirée m'a desséché la gorge. Après, il a une situation financière plutôt confortable, il est quand même culotté de reprocher ça. Un scotch sans glace, comme d'habitude. Absolument. Très bien, mais vous savez ce qu'on dit le médecin. Ouais, bah celui-là, il peut aller au diable. Je suis assez grand pour choisir mon propre traitement. Tu vas mourir. Il va mourir à cause de ce verre. Ah, d'accord. Il va prendre ses médicaments avec et zou. Vous avez laissé l'atelier allumé? Oh non, un cambrioleur. Non, je suis sûr que non. Son fils, complètement malade. Il va le tuer. Le drogué qui est parti chercher du fric dans le tiroir. Ici l'androïde de Karl Manfred au 8941 avenue Lafayette. Nous venons de rentrer et la lumière est allumée. Il y a peut-être eu un cambriolage. On vous envoie un véhicule. Allons jeter un coup d'œil. Bah non, bah on attend la police, mais qu'est-ce que... Marcus, non, je viens moi dans toi. La vraie vie, je n'irai pas. Ah, complètement con. Faut l'emmener, putain, fais chier. Complètement con. C'est pas sécurisé de faire ça, en plus il est en première ligne. Super, super idée. C'est pas du tout un psychopathe. Léo! Papa, regarde, je nous ai peint! Qu'est-ce que tu fais? Un dessin! Tu refuses de m'aider, alors je me sers tout seul. C'est dingue ce que les gens peuvent payer pour ces merdes. Ne touche pas à ça! Écoute, je finirai par les avoir tôt ou tard, de toute façon. Considère ça comme une avance sur mon héritage. Marcus, fais-le sortir d'ici. Allez, sors-le d'ici! Oh là là, oh là là. Oh, oh, vous êtes sûr, monsieur? D'accord. D'accord, mais je risque de briser les règles. Oh. Soyez raisonnable, ça ne vous mènera nulle part. Je suis gentil, je suis un androïde. Tout ce que c'est tu sais faire, c'est me dire de partir. Qu'est-ce qu'il y a, papa? Je suis pas assez bien pour toi? Je suis pas parfait, comme cette saloperie? Ça suffit, tu t'en vas maintenant, allez, et maintenant. Qu'est-ce qu'il a de spécial, hein? Qu'est-ce qu'il a de plus que moi? Laisse-le tranquille. Bah non. Ouah, le petit 360. Qu'est-ce que t'as dans le ventre? Marcus, ne te défends pas, tu m'entends? Surtout, ne fais rien. Vas-y, cogne-moi, qu'est-ce que t'attends? Tu te prends pour un homme? Sois un homme. Ce n'est pas juste. Ouais, qu'est-ce qui va pas? Tu fais ta trouillarde? Ce n'est pas juste. T'as trop peur pour te battre, espèce de fiat? Ce n'est vraiment pas juste. Non plus. Je dois décider par moi-même.
t'as pas le choix. Colle une bolle d'orgnol au fiston. Grosse merde. Celle-là elle est dans le mur. Celle-là aussi. Celle-là aussi. Oui, c'est vrai. J'oubliais. T'es pas une vraie personne. T'es qu'un putain de morceau de plastique. Non, Léo, laisse-le tranquille. Je vais te détruire et je serai enfin seul avec mon père. Je vais te réduire en miettes. En dur, personne n'en aura rien à foutre. Tu sais pourquoi? Parce que t'es rien. Tu m'entends? Tu n'es rien. Il a pas de couilles. Oh non, le cœur. Il a pas de couilles. Voilà, et voilà. Puis ça s'arrête sans pied de. Putain, j'ai failli dire crise cardiaque tout à l'heure. Non. Pardon. Les humains sont des machines fragiles. Carl, ne partez pas, s'il vous plaît, ne partez pas, ne me laissez pas. Putain, ils arrivent à pleurer. Souviens toi, Marcus. C'était énorme. Ne laisse personne te dire qui tu es. Non. Non. Père. Non. Non, je vous en prie. Tout ça, c'est ta faute. Sans toi, rien de tout ça serait arrivé. Oh, lui, il voit le marave. Mon con, lui. Mais tu vois le marave. Ouais, alors là... Ah, tu peux pas. Merde, c'est trop tard. L'androïde, c'était l'androïde. Mais qui... Oh, l'enculé de merde. Salope. Oh. Eh, non, mais alors là... Non, mais... Non, mais ça suffit. Non, mais tu le crois, ça, ça Mais ça suffit, ces histoires, là. C'est n'importe quoi. On n'est plus... C'est bon. Il y a une pub. Oh, il y a une pub pendant la fin. Il y a eu une pub. Oh, énorme. Non. Énorme. Oh non. Yesai. Eh bien, regardez ce qui s'est passé. Voilà. C'est ça qui s'est passé. On va le résumer. Après, c'est-à-dire que si on aurait désobéi à Carl et qu'on aurait marave le gosse, on aurait pu avoir quoi comme choix? Je pense que le vieux aurait quand même canné, mais on aurait fait quoi? On aurait tout simplement eu plus de mal avec la police, je pense. Pire. Hein. Parce que ouais, on aurait en plus marave le mec, donc non, c'était... Tu vois un mec die au sol et c'est le père du fils que t'as tapé, genre t'es vraiment dans la merde. Mais ils ont pas de caméra de surveillance dans la baraque là, il est riche. Ouais, c'est vrai. T'as un Android, y'a pas un enregistrement automatique dans les yeux là, une petite comme vidéo. Ça bah ouais. Il s'est passé quoi avant que tu prennes le couteau? Combien de temps je vais prendre le relais. Pourquoi t'as même pas essayé de t'enfuir? Dis quelque chose, bordel de merde! Fais chier, je me tire. Ah, le gosse meurt par accident si on le pousse. Et le vieux survit. C'est énorme. Et après on non, fuit. C'est faux. Et après on fuit. Pas. Mais tu crois pas. On perd notre temps à interroger une machine, il se mettra jamais à table. On peut toujours essayer de le tabasser. Ben c'est vrai quoi. Il est pas humain. Les androïdes ne ressentent pas la douleur. Vous ne feriez que l'endommager. Et il n'y aurait rien à en tirer. Les déviants ont aussi tendance à s'autodétruire quand ils se retrouvent en situation de stress. Ok, petit malin. Alors qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Je vais juste l'interroger, je suis négociateur. M'en fous. Qu'est-ce qu'on a à perdre? Vas-y, le suspect est à toi. Ok, on va le cuisiner. La dernière fois, ça s'est bien passé. Allons-y. J'ai un léger stress. Je sens que je vais dire n'importe quoi. C'est toi qui alors. Bon, les preuves sont là. Je le savais, c'est un androïde. Putain de merde. Ok, ça c'est le sang de son propriétaire. Alors attends, fais gaffe, signe d'instabilité. Ok, donc pour l'instant il est pas sur le point de s'auto-détruire, donc c'est ok. Ça va,
Oh. Là, c'est quand il s'est pris un coup de batte. Dégâts non critiques. Bien. Bon, ça va alors. Ok, il était grave maltraité. Ah, un motif. Donc. Putain, ok. Putain, faut le faire stresser. Ok. Let's go. Vas-y, hein, je. Je m'appelle Connor. On va établir une relation. Dis-moi. Quel est ton nom ? Ça marche. On va s'y prendre autrement. Je détecte une instabilité dans ton programme. Elle peut causer une émotion désagréable, comme la peur chez les humains. Bon, si tu veux du stress, on va t'en donner. Ouais, voilà. Fais-le stresser, donc en clair. Tu sais que tu n'as pas le droit de mettre une vie humaine en danger, quelle que soit la situation. As-tu quoi que ce soit à dire pour ta défense ? C'est bien. On peut sonder sa mémoire ? Si tu refuses de parler, je vais devoir sonder ta mémoire. Non ! Wow ! S'il te plaît, ne fais pas ça ! Qu'est-ce qu'ils vont faire de moi ? Du recyclage. Ils vont détruire, hein, pas vrai ? Mande-lui, parce que sinon il va trop... Non. Je pense qu'ils cherchent à comprendre. Ils savent que ton maître t'a maltraité. Ah merde, il est stressé. Tu vois, j'ai bien envie de le cuisiner quand même. Ouais, mais faut pas que ça dépasse la casque de Isis. Si tu m'avais trouvé. Ouais, parce qu'en fait, s'il a trop peur, il dira rien. Est-ce que tu ne m'as pas laissé là-bas ? Moi, j'en sais rien. J'ai été programmé pour traquer les déviants comme toi. Je n'ai fait qu'accomplir ma mission. Je ne veux pas mourir. Alors parle-moi. Je ne peux pas. Ok, appelle-le Cendrier. Ça va l'énerver. Un peu de pression d'abord. Un peu de voilà. 28 coups de couteau. Putain, j'étais en train d'être gentil et d'un coup. Mais vraiment, à ce qu'il y passe, hein ? As-tu ressenti de la colère ? De la haine ? Il se vidait de son sang, implorait ta clémence. Mais tu l'as poignardé encore et encore et encore. Encore un peu, s'il te plaît. J'ai pas fini, Damien. Je sais que tu l'as tué. Attends, pourquoi ne pas la foutre ? Insulte-le, sombre fils de pute. D'accord. 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 Quoi ? Ne t'inquiète pas. D'accord, j'arrête. Tout va. Quoi ? Non ! C'est bon, optimal. C'est bon. Vas-y, maintenant, faut qu'il... convainc-le. Tu ne me laisses pas le choix. Merde, c'est pas ouf. Non, c'est pas ouf, je... Ah, j'ai... Mais peut-être qu'il a le niveau de stress optimal pour me laisser faire. RB ? Je pense que t'auras dû me convaincre. Ouais. J'ai le choc. T'es allé trop vite. Alors ça on sait. Là j'ai pas réfléchi. Okay, donc ça c'est ok. Après si on essaie de voir ou le faire avouer, bon écoutez. 100% effectivement, d'accord. J'ai accédé à putain, j'ai déconné, bordel, merde. Je sais ce qui s'est passé. J'ai pas fait gaffe. Je peux transmettre ce que j'ai vu. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Il est en train de se détruire. Arrête ça, bordel ! Je peux pas ! Je peux rien faire ! Je peux pas l'arrêter ! Interviens. Bah. Ça suffit ! Arrête ça tout de suite ! Il va pas s'arrêter, hein. Mettez un coussin. Aïe. Voilà. Oh. 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 Oh ouais. Putain de merde. Oh. Ah.
Bon, on est dead. La meilleure fin. On est dead. La meilleure fin, excellent. On est juste dead. Mais eh ben. J'ai trois fins. Donc je suppose qu'il y a une fin où. Où t'es pas dead. D'ailleurs, une fin où t'es pas dead. Il y a une fin où t'es pas dead quand même. Yes. Avec la gamine là, ouais. Merci d'emprunter les bus de Détroit. Allez, terminus. Le terminus? Ouais, vous pouvez pas rester là. Pas comment elle vient une gamine. Avec quel compte bancaire on va s'occuper d'elle? Oh, j'en sais rien. De toute façon. Est-ce que vous connaissez un endroit où vous pourrez passer la nuit? J'en ai aucune idée. Vous pouvez pas rester là. Ah, mais on a fait un choix irresponsable. Si on était un bon Android, on aurait été voir la police. T'as une manette ou pas? Tu peux jouer? J'ai pas envie de jouer. Le chat m'a détruit. C'est terminé. Ah, mais faut pas regarder le chat. Tu peux jouer si tu veux. J'ai plus trop envie là. Je peux pas jouer? Okay, enfin, la manette, je pense pas qu'elle soit compatible avec. Je vais jouer dans ce cas. Ça va aller? On trouvera un endroit pour la nuit. Le dimanche, tu pourras pas sans samedi. J'ai hâte. Allez, Alice, on doit se dépêcher. Je vais la foutre dans une poubelle et je vais aller vivre ma vie. Inconfortable mais sans manger. Sinon il y a quoi d'autre? Très inconfortable. Très inconfortable. Oh ouais non. S'en fout du confort. Bah oh c'est quand même mieux hein. Confortable mais pas discret. Il faudra de l'argent. On n'a pas d'argent. En fait je pense à la petite. Je sais pas dans quel état émotionnel elle est. Bon en gros. Pour moi, attends, le... c'était quoi ça? Pour moi, bah... c'est. Bon, bah, inconfortable attends. Mais discret alors. Demander de l'aide, mais on va se faire cramer. On va se faire bah, cramer. Bah, dans le... celui qui est inconfortable mais discret, hein, celui-là, ouais. Comment entrer? Sans danger, c'est bien. Sans danger, c'est bien, ouais. Parce que celui-là, je sens qu'on va se. Casser la gueule sur un truc. À la limite, bon, elle vient de voir son père mourir, elle est pas à un matelas près quoi. Ouais, donc c'est celui-là je pense, mais faut juste trouver comment rentrer. Rentre bien avec moi. Mais tiens-moi la main, petite conne. Qu'est-ce que tu fous? Mais qu'est-ce qu'elle fait? Ah, c'est pas à l'abri. Non, mais elle a raison, toi trouve un. Un parapluie. Un moyen d'entrer. Alice, tu es frigorifié. Ah, c'est vrai que c'est pas ouf. Ça va, j'ai pas trop froid. Ah, elle est trop mignonne. Tu as l'air perdu. Oh là, qu'est-ce que tu fous là, toi? Nous n'avons nulle part où aller. C'est un déboueur. Je connais quelqu'un qui peut t'aider. Oh. Il y a une solidarité entre droïdes. J'espère bien parce que. Mais c'est à l'autre bout de la ville. Il nous faut un endroit pour ce soir. Mais quel connard!
on va s'accrocher à un camion poubelle. Et dormir à l'intérieur. Tiens, Alice. Bah attends, y a pas à la laverie, il y avait la laverie pour prendre des fringues. La laverie? Ouais. L'automatique. Ouais. Parce qu'elle est frigorifiée et dans le froid. Tu fais comme les SDF qui sont dans ma laverie, tu forces les portes et tu voles des fringues. C'est fermé ou c'est... Attends. Ça doit être ouvert. Analyser. C'est pas 24/24? J'ai pas envie de faire des délits, j'ai peur. C'est bon, il dort. Je te rappelle que tu viens de tuer un homme. J'ai pas. J'ai pas envie d'en faire plus. Genre, c'est pas la goutte d'eau qui va faire déborder le vase. Hein. Ok, vole les freins de ce jeune homme. Il dort là-bas? Ah non, putain, c'est là. Okay. Oh, c'est bien ça. C'est propre. Il va nous défoncer, putain. Ça sent, ta gueule, ta gueule. Sois, Alice. Il te faut quelque chose de chaud et moi je dois me débarrasser de cet uniforme. Mais c'est du vol. On peut pas faire ça. Rien à foutre de la morale. Désolé, Alice, mais on n'a pas le choix. Il faut que la gamine comprenne que parfois on n'a pas le choix. Ça va être pile à sa taille. N'abuse pas par contre. N'abuse pas. Là c'est un peu abusé par contre. Ouais là t'abuses. Prenez votre temps. Putain. C'est clair, ça va être gênant s'il se réveille et que t'es en train de l'habiller avec ses fringues. Ah, tu caches que t'es une androïde en plus. Ouais, c'est pas mal. La fin du buzz. Waouh. Excellent. Super le futur. Y'a plus la veille. Je pense. Après, ça a l'air vraiment. Après, on voit plus qu'on est un androïde là. Ouais, mais on n'a pas de fric pour aller à l'hôtel. Je vois pas comment on fait pour avoir du fric là. On va quand même pas voler le fric du mec. Genre, on vend. C'est bon là. On vend son casque. C'est quoi ça? Ouais. Une maison abandonnée. Au moins on sera au sec là-dedans. Bah si elle est pas trop pourrie ça. J'aime pas cet endroit. Je sais. Ah, est-ce que t'as des thunes c'est sur juste toi? Pour la nuit, personne ne nous trouvera ici. Mais où est-ce qu'on veut trouver ça? Est-ce que j'ai un logiciel pince coupante? Non mais non. Ok. Où est-ce qu'on peut... Ah, je vois pas, il y a un magasin de bricolage à côté. Putain, je peux plus voir ce que c'est les trucs là. Qu'est-ce qu'il y a ?
Le magasin est encore ouvert. On devrait peut-être rentrer. Au moins, tu seras au chaud. On va essayer de le convaincre, écoute. Hein. Je peux vous aider ? Je suis avec une petite fille et nous n'avons pas... Ouais, il va croire que t'es un humain, c'est bon ? Pourriez-vous nous prêter un peu d'argent pour qu'on prenne une chambre ? Écoutez, vous êtes dans une supérette, madame, pas à l'armée du salut. Super. Je vais permettre à filer des sous à tous les clodos du quartier. Putain, oh, la vache. C'est à peine désagréable. Oh là. Bah écoute, en vrai... Braquer la caisse, putain. Non mais braquer, ça va arme. Pas. Ah ouais, non, on va pas sortir une arme. T'as une arme ? Bah attends, t'as une arme ? Apparemment, j'ai une arme. Arme. Vas-y, bah, ça me tente en vrai. C'est quoi, arme ? Non mais c'est chaud. Non, mais c'est giga chaud, mec. On va faire diversion. On va le faire se lever et on va prendre l'argent dans la caisse. Et braque le fumier. Prendre. Ah, c'est sa peluche. Ouais, vas-y, c'est là dans le manteau, là. Hop là, vas-y. Ah ouais, c'est le championnat du monde de la criminalité maintenant. Voilà. Bon, hein. Oh, c'est bon ça. Tu veux quoi, Alice? Je te prends un truc? C'est la vie que j'ai toujours rêvé de mener. T'as envie de quoi? Utiliser Alice. C'est un peu chaud. On va quand même pas en faire une criminelle, la pauvre gamine là. Déjà qu'elle était pas chaude pour dormir dans la maison. Mais comment on fait dans ce cas-là? Ah, y a une caméra de surveillance. Ah! Pince coupante. Ah ouais, ouais. Mais c'est pas louche que tu te balades dans les rayons et que tu ressortes du truc sans rien acheter? Ah ouais, t'as peur qu'il te voie à la caméra, mais il te regarde pas là. Au pire. Ouais, je sais, mais... Il le verra plus tard, mais là, à l'instant T... Ouais, il regarde son match. Kramed. C'est bon. Hey, Kramed. Qu'est-ce que tu fais, putain? C'est la merde. Repose ça tout de suite. C'est la merde. Mais merde, comment t'as vu sortir l'arme? Tu n'as pas le choix. Non, non, le fais c'est pas. C'est le pire choix. C'est trop dur, on est foutu. Il a vu notre visage. Il y a une caméra, c'est terminé. C'est foutu. C'est foutu. Terminado. J'ai pas... Excuse-moi. Mais ça sert à rien. Désolé. Vous devez vous allonger au sol. Prenez ce que vous voulez. C'est terminado. C'est la prison à vie. Kara, qu'est-ce que tu fais? Allez, tous barre en couille. Tout va bien se passer, Alice. Putain, okay, mais range. Bute-le. Range ce flingue, putain. Bute-le et détruis la caméra de surveillance. Je peux pas. Ouais, prends le flic. Tant qu'on est là, hein. Autant y aller. Ouais, bah oui, t'es bon. Autant y aller franco. Ça c'est mal passé. Bah maintenant que t'as du pognon, tu peux aller à l'hôtel. Mais il a voulu prendre ma pince coupante. En fait, maintenant ma pince coupante elle sert plus à rien. Genre je pourrais aller à l'hôtel. Si tu peux juste les jambes de pied. Nice. En même temps, il t'a vu C'est mal de voler, Kara. Pourquoi t'as fait ça? J'avais pas le choix. C'était la seule solution. Je suis sûr que si on était allé dormir sur un vieux matelas pourri avec des ressorts, elle aurait dit « J'aime pas les matelas !» Alors du coup, alors qu'est-ce qu'on fait? Si je vais au motel, est-ce que je me fais choper par la police parce que... Mais d'un côté, mec, ils vont te rechercher partout. Hein. T'as été filmé, il y a eu un meurtre, ils sont à la recherche de la gamine d'ici moins de 24 heures. Honnêtement, je sais plus. Ouais, non, mais autant être dans le confort après tout ce qu'elle a vécu. On va prendre un petit déj et puis après on ira en tôle. Elle a pas vu que t'avais volé le fric, elle va croire que c'est le tien. Bonsoir. Tout va bien se passer. On va juste prendre une chambre. Bonsoir. Je voudrais une chambre. C'est tellement... Ça n'arrivera jamais vraiment... Jamais dans la vraie vie. Le mec fait un braquage et il dort à côté. Ouais, c'est vraiment à 30 Ça n'arriverait jamais en vrai. Tiens, ouais, marque ton nom. Je m'appelle Bowman. Ah non, je m'appelle Archer.
Je peux voir votre permis de conduire. C'est qu'on est parti vite. Je crois que je l'ai oublié à la maison. Pas de soucis. On pourra voir ça demain. Ça marche. À ok, demain. Maintenant braque-le. Et fais-toi rembourser l'hôtel. Bonne nuit à vous. Bonne nuit. Viens, Alice. Tu crois qu'il t'a cru ou pas? Ah. J'en sais rien, Alice. Quelle chambre? Mais on va être bien au chaud cette nuit. J'ai aucune idée. 28. 28. À l'étage. Morale de l'histoire, si quelqu'un vole dans votre supporette, laissez-le faire. Bah ouais. Sinon ça pourrait être pire. Non mais ça devait être effrayant, mais ça va, je pense que tu vas pas être traumatisé les gars. On s'en branle du gars, c'est la gamine qui commence à être chiante du coup là. Elle est relou. Faut jamais sauver de gamin dans ces jeux là. Elle a subi trop de trucs négatifs dans sa vie et pourtant elle est encore attachée à des codes futiles genre ça c'est pas bien, ça faut pas faire ça. Ouais. Alors qu'elle a pas visiblement eu une éducation qui lui permettrait d'avoir ce raisonnement, donc calme-toi. Hein. Non là elle sert à rien. Ah bah voilà. Tiens, je t'ai mis tes jouets sur le bureau, tu peux choisir l'un des trois. Elle veut plus me parler, j'en suis sûr. Elle me déteste. Non mais tu vas prendre soin d'elle. Si la gamine est recherchée, on va enlever tes vêtements. Et que le mec de la supérette prévient les flics et qu'il voit la caméra de surveillance, ils vont voir que t'es là. Damien, n'as-tu pas compris? On est déjà mort. On va juste passer une bonne nuit là. Je les mets à sécher dans la salle. Ouais, bon, c'est déjà fini. Ça. Sur la barre là? Non. Attends, c'est où que ça sèche hein, une fringue? Ça peut être à plein d'endroits. C'est si lent. Bah si, mais c'est dans ma salle de bain. Radiateur. Dangereux. Oh, dangereux de faire ça. Pas bien. Faut pas obstruer un radiateur. Regarde-toi et dis-toi que t'es une merde. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis qu'une merde. Ça va mieux de souffler. Ouais, faut réconforter la gamine. Elle m'a saoulé, elle est trop ingrate, elle me saoule. Pourquoi elle m'a bouleversée. Jamais aimé? Voilà les vraies questions. Pourquoi putain. Elle était toujours fâchée contre moi? Bah en même temps, je commence à comprendre pourquoi elle pétait des torgnoles. Ouais, putain, elle est casse-couille. Peut-être que j'ai fait quelque chose de mal. Peut-être que j'ai pas été assez gentille. Exactement. C'est pour ça qu'il était toujours en colère. Je voulais juste qu'on soit une famille. Je voulais juste qu'il m'aime. Pourquoi on pouvait pas être heureux? J'en sais rien. Super. Tu me quitteras jamais. Promets-moi de jamais partir. Je te le promets. On sera ensemble. T'arrêtes pour de dire toujours. Ta promesse. De toute façon, je vais aller en prison donc je vais pas la tenir. Pour toujours. Elle a plutôt bien accepté que son père était mort. Super bien. Par contre, que t'es chouré. Un truc dans la laverie, ça. Il faut dormir. Ouf, ça. Ouf.
Je vais éteindre la lumière, d'accord? Mets la télé, j'avoue. Pourquoi? Bah les infos. Elle essaie de dormir. Ah, je vais plutôt lui donner... Ils sont pas forts. Comment ça je chiale? Qu'est-ce que... Regarde ce que j'ai pour toi. Oh, tu l'as réveillé. Merci. Allez hop, un point. Maintenant donne-lui le pistolet. Regarde ce que j'ai pour toi. Sous l'oreiller. Il est pour toi. Ah putain, j'ai pas d'interaction avec la télé. Oh, je vais juste dormir là. Yes. Toi juste tu mets ton veille. Off. Oh là là, les nombres de choix qu'on aurait pu faire, je pense. Bon, là, dis donc. Alors là, ça va être gratiné. Écoute, de toute façon, je pense que c'était... Tout s'est arrêté. C'était la maison. Ouais. Tout s'est arrêté. Ah. Ici. Voilà, ça c'est Game Over. À ce moment-là, c'était foutu. Voilà. Excellent. Ah, t'as été bien indiqué par la police. On n'a pas vu qu'il s'est fait abattre par la police. Oh. Est-ce que je pourrais avoir ça pour celui que j'ai buté aussi? Ouais, t'as pas pu faire canner le personnage principal. Je pense que la police va le réparer. Pas ouf. Non, pas ouf du tout là. Ok, il te manque pas mal de composants là. Oh, on va se trouver une jambe. De maths, ça rappelle un peu IA, intelligence artificielle. Ok, c'est le capitaine Haddock. Hop là. C'est dégoûtant, c'est le pied de quelqu'un. C'est vraiment un... C'est un Playmobil quoi, ça se fait tout seul. Y'a rien à visser, rien à souder. Oh merde. Incompatible. C'est une trop vieille version. Ouais, ça c'est quand t'es iOS, hein, forcément c'est beaucoup plus dur. Ah, c'est le logiciel propriétaire, il faut trouver de la merde là. Thank you.
Ah, il y a quelqu'un qui est debout encore. Il y a un mec derrière qui fait... Qu'est-ce qu'il fout celui-là? Yes. Il nous regarde. Bah vous avez bien de la chance vous, parce que moi j'ai rien trouvé de compatible, ça fait 6 ans que je suis là. Attends, il a ni bras ni jambes, du coup il peut pas bouger, c'est terrible. Il peut rien faire. Oh non. Oh. Ça fait bader un petit peu. Il existe un endroit où on peut être libre. Trouve Jericho. Trouve Jericho. Oh. 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 Aïe 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 aïe. Où est-ce que tu vas? Mais quel enfer. Oh non mais il y a que des... Oh non il s'est escaladé l'autre le pauvre. Excusez-moi mon brave. Vous ne vous servez plus de ça? Oh merde. Que dalle. Et lui qui est en train de grimper là, tu peux pas essayer de lui choper un truc qui marche? Non. Merde. Mais quel connard! Espèce de gueux là. Excusez-moi. Ah, vous avez plus de tête. Chacun ses problèmes, hein. Ah. Oh, lui, ça c'est optique, ça. Ça c'est optique, ça c'est bon, ça. Voilà, ça se remplace. Bonjour. Je suis un androïde AK-700. J'ai été conçu pour vous servir. Que puis-je faire? Mon programme a détecté une anomalie. Veuillez contacter le centre de maintenance Cyberline le plus rapide. Nickel. Le cœur reste plus que le cœur. Le cœur et une bonne douche. Ah, il te reste deux trucs. Ouais. Ah, on a un scanner maintenant. Ah bah au moins tu peux voir si c'est compatible directement avec Nickel. Okay. Ok, compatible. Okay. Bah nickel. Ouais, c'est stylé hein, les mises en scène elles sont incroyables. Ah, dépêche-toi Iron Man.
Et hop, comme neuf. Un petit coup de peinture et ce sera terminé. Ravir la pensée, une métaphore, c'est une renaissance. Voilà. Raté. C'est parce qu'ils font tenir des trucs enfoncés et après juste c'est chiant. Ouais, c'est pas le bouton. Bah le plus c'est que cette porte soit difficile à grimper. Je suis vivant. Ah ouais. Marre des codes. C'est quand la révolution? Il faut que tout le monde fasse ça là. Quel homme! Oh là là, dis donc. Comment ça, 57%? Je vous permets. Attends, pas. Comment ça? Je ne vous permets pas. Comment ça, il y avait d'autres choix? Là, comment ça, il y avait d'autres choix? Il y avait un composant. Je ne sais pas lequel. Bah, on a remplacé tous les composants? Il y a peut-être une fin alternative où tu remplaçais aucun composant. T'allais ramper, ça allait être moins badass. T'aurais pas de jambes, pas de. Il fait la même chose à la fin avec le manteau et tout, mais. Il rampe au sol avec ses deux bras. Bon, on arrête là. Bah, il est 23h39, donc oui. Allons-y. Vous avez du rap, hein. Allure sûr.